Félicitons le Seigneur Jésus. We thank the Lord Jesus pour nous avoir donné cette journée. For giving us this day. Amen. Nous lui disons merci. Merci Seigneur. Amen. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Many people did not wake up. Ils sont morts. In this world. Mais Jésus nous a donné encore aujourd'hui. But Jesus has given us today. Le souffle de vie. To breathe the breath of life. Combien croient que c'est Dieu qui nous donne l'occasion de vivre encore? How many believe that it's God that giving us the opportunity to live again? Oui. Yes. Nous croyons en Dieu. We believe in God. Alors, je vous donne une bonne nouvelle. I give you good news. Ma tension est descendue jusqu'à 13. My hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Oh my! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Oh my! Hallelujah! Oh tu my. N'as pas traduit. Hallelujah! Oh tu n'as pas traduit. Oh, my blood pressure went down to 13. Donc j'étais à 210. I was at 210. Et maintenant je suis à 130. Now I am at 130. Dieu, God, Dieu a écouté vos prières. God has heard your prayers. Alors, je dois dire à Dieu merci. I have to say thank you to God. Amen. Amen. J'avais la cataracte dans l'œil droit. Et the cataract in the right eye. Et c'est vous qui avez prié. You prayed here. Maintenant je vous vois très bien. Now I can see you perfectly fine. On n'a même plus retrouvé ce cataract. They could not even find the cataract anymore. Que ça soit ici. Maybe here. Ou à Montréal. Or at Montreal. Ils m'ont dit non, tu es bien. They told me you are fine. You don't need a surgery. Et je remercie Dieu. And I thank God. Encore avec vous pour une semaine. I am with you for one more week. Le mardi là-bas, je rentrerai à Kinshasa au Congo. On Tuesday, I'll go back to Kinshasa in Congo. Vous voulez que je leur apporte les salutations? Do you want me to bring to them the greetings? Amen. Ok. Nous aurons cette semaine la visite de notre pasteur Kabamba. This week our pastor Kabamba is going to come to pay us a visit. Mais c'est moi qui prêche cette semaine. But I'm the one that is preaching this week. Donc je serai là. So I'll be here. Toute la semaine. The entire week. Préparez-vous, vous allez bien manger. Prepare yourself, you're going to eat well. Hallelujah! Amen. Amen. On va préparer une très bonne soupe. We're gonna cook a very nice sauce. Amen. Amen. Avec du poulet spirituel. With some spiritual chicken. Avec un peu de poisson très bien là. With some good fish. Et qui va donner la force à votre vie spirituelle. That will give the strength to your spiritual life. Pour continuer, nous sommes à la fin des temps. We are at the end of time. Ça ne va plus. It's not good anymore. Oh, comment on appelle ça? C'est Bachar al-Assad. C'est... Yes, sir. En Syrie. In Syria. Syria. Et l'Amérique veut entrer dans cette guerre-là. America wanna step into that war. Et ça sera la troisième guerre mondiale. And it's gonna be the third worldly war. Parce que la Russie dit déjà qu'il y aura une. Si l'Amérique entre dans ça, dans le G8, ils vont discuter là-dessus. Russia already said that if America gets in G8, they're gonna have a very great destruction. Cela signifie que la Russie entre presque dans la guerre. That means Russia gets a step into the war, almost. Et s'il entre dans cette guerre-là, and would he a step into that war, c'est la guerre contre les États-Unis. That's the war against the United States. Oui. Les États-Unis. The United States va entrer dans la guerre de Syrie. Are going to step into the war of Syria. Et les Syriens sont complètement divisés. And the Syrians are completely divided. Et l'Al-Qaïda est là-dedans.
And Al-Qaeda is in there. Et la Russie est contre ça. And Russia is against it. Et ils soutiennent la Syrie, bien sûr. They support Syria, of course. Non. Moi, je vous supporte. L'Amérique supporte l'autre là. Et c'est la guerre. So I support you, and America support the other side. So that's the war. Ce sont les grands qui se battent. It's the great that are fighting. Il y aura des avions, des bombes. There are going to be airplanes, des bateaux de guerre partout. Warships all over. Préparez-vous. Get ready. C'est ce que nous appelons la guerre d'Armageddon. That's what we call the Armageddon War. Même les Juifs attendent cela. Ils appellent ça la guerre de Megiddo. Even the Jews are waiting for that. They call it the War of Megiddo. Qui remettra Jésus sur le trône. That will put Jesus back on the throne. C'est le Seigneur Jésus qui arrêtera cette guerre-là. The Lord Jesus that is going to stop that war. Et nous descendons avec lui. And we shall come down with them. Sur des chevaux blancs. Up on white horses. Mais avant cette guerre, nous devons aller au ciel. But before that war, we gotta go to heaven. Donc le départ n'est pas loin. So the departure is not far. Nous n'allons pas partir au Japon. We won't go to Japan. No. No. Hallelujah. No. 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 Nous n'irons pas au Japon. We won't go to Japan. Nous irons dans un pays où il n'y a pas de cimetière. We'll go in a land where there is no graveyard. Il n'y a pas d'emergency. There is nothing like that. Non. Pas d'hôpitaux. No hospitals. Et nous serons tous jeunes. We shall all be young. Nous irons dans un monde où il n'y a pas de vieux. We'll go in a world where there is no elderly people. Moi, je serai jeune. Even myself. I'll be a young man. All right. Praise the Lord. Donc, ce pays est vraiment à notre portée. So, this land is really at hand. Ne ratez pas cela. Don't you miss it. Praise the Lord. Ne manquez pas cela. Don't you miss that. Aujourd'hui, c'est notre pasteur qui prêche. Today, our pastor is preaching. Nous avons un très bon pasteur ici. We have a very good pastor here. Combien aime le pasteur Atapis? How many of pastor Atapis? Raise your hand. C'est lui qui va prêcher aujourd'hui. He is the one preaching today. Et je suis venu le soutenir. And I've come to support him. Il m'a dit, pasteur, toi tu restes à la maison. J'ai dit, ah non, c'est dimanche quand même. He told me, pastor, you stay home. I said, no, this is Sunday. Non, le dimanche. Sunday. Rester à la maison. Staying home. Mais c'est un péché. That's a sin. Yes, yes. Oui, je sers Dieu depuis 41 ans. I serve God for 41 years. Aucun dimanche je suis resté à la maison. I haven't stayed home even one Sunday. Oh my. Non. Hallelujah. Je dois être là. I gotta be there. Pour manger la parole de Dieu. To eat the word of God. Pour avoir la force pour la semaine. To have the strength for the survival. Nous allons chanter et appeler. We shall sing and call. Notre pasteur. Our pastor. Le pasteur de l'assemblée chrétienne de Charlotte. The pastor of the Christian Assembly of Charlotte. Oui, c'est mon associé, bien sûr. He's my associate, of course. Et moi, je suis plus au Congo, en Afrique. But I am more in Congo, in Africa. Et je le soutiens. Je veux vraiment and I support him. Aussi le soutenir. I really want you to support him. Merci de la manière. Je vois comment vous le soutenez. Que Dieu vous bénisse. I see the way that you support him. May God bless you. Si vous l'aimez, vous m'aimez. If you love him, so that si means vous you aimez aussi le pasteur Atapis. If you love me, love also Pastor Atapis. Amen. Amen. We'll be right back.
Acclamons très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le cri de joie de notre Père. Let's shout of joy to our Father. Il mérite toute la gloire. He deserves all the glory. Il mérite l'honneur. He deserves the honor. La louange. The praise. Les acclamations. The bloody. Les cris de joie. The shout of joy. Au siècle des siècles. Ever and ever. Amen. Amen. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. His name is the Lord Jesus Christ. Il est incomparable. He is incomparable. Le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. The first of 10,000 to our soul. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Do you love him to this morning? Si vous l'aimez, dites amen. Do you love him? Say amen. 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 Je vous salue dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Bénisse notre pasteur Baruti. And may God bless our pastor Baruti. Vous l'aimez, n'est-ce pas? You love him, don't you? Yes! Praise the Lord. Si vous n'aimez pas le pasteur Baruti, veut dire que vous avez un problème. If you don't love Pastor Baruti, so that means you suspect. Ah, parce qu'il a fait toutes les preuves, il a donné toutes les preuves pour mériter notre amour. Because he showed all the proof to deserve our love. Amen. Amen. Et nous serons toujours derrière lui. And we shall always be behind them. Jusqu'au ciel, parce que le ciel est pour bientôt. Until heaven, because heaven is for very soon. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, we are. Oui. Alors, pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? So we shall stand up to read the word of God. Aujourd'hui encore, c'est une épreuve pour moi, mais Dieu va nous assister. Today again is a trial for me, but God is going to help us. Vous allez prier pour moi, n'est-ce pas? You're going to pray for me, won't you? Yes, sir. Ok, nous lisons dans Hébreux chapitre 1er. We read in Hebrews chapter 1. Je me suis dit qu'aujourd'hui, au lieu d'aller très loin, on peut seulement réchauffer quelque chose qu'on a déjà mangé, non? I say myself, instead of going too far away, let's just reheat what we already ate before. Hébreux chapitre 1er, et je commence au verset 1er. Hebrews chapter 1, starting on the first verse. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Dieu nous a parlé par les fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes les choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. Have in these last days spoken unto us by his son whom he have appointed heir of all things. By whom also he made the worlds. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes les choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. That son who, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Je demande au pasteur s'il voudrait prier pour la parole pour nous. Ask the pastor if he want to pray for the word for us. Dieu notre Père céleste. God our Heavenly Father. Ce sont des mystères, Seigneur. These are mysteries, Lord. De voir que Dieu lui-même to see that God himself était à notre image. Was himself on our side. Il est devenu homme. He's become a man. Pour passer à la croix et mourir pour nous. To go up on the cross and die for us. Ça nous dépasse, Seigneur. That's over our understanding, Lord. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Lord. Afin que nous puissions comprendre ce mystère. So we can know this mystery. Que nous puissions marcher comme des véritables personnes que Dieu a aimées. We can walk as true people that God has loved. Merci Jésus. Thank you Jesus. Bénis notre pasteur Atapis. Bless our pastor Atapis. Assiste le Seigneur. Help him Lord. Déplace le Seigneur. Move him Lord. Parle-nous. Speak to us. Utilise Seigneur le pasteur Atapis encore aujourd'hui. Utilize pastor Atapis again today. Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ. We ask you it in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen.
Alors, ce matin, je voulais quand même parler sur ce sujet qu'on a déjà parlé. So this morning, I'd like to talk about this topic that we've already exploited. Et je crois que Dieu va nous aider pour entrer encore un peu. And I believe God is going to help us to go deeper. Et je voulais prêcher sur Dieu qui est identifié par ses caractéristiques. I want to preach upon God that is identified by his characteristics. Amen. Amen. Je crois que vous aimez la parole de Dieu. I believe that you love the word of God. Yes, we do. Le prophète était dit, the prophet of God says, que nous comme des chrétiens, as Christians, nous sommes obligés d'aimer la parole de Dieu. We are obligated to love the word of God. Parce que c'est cette parole qui nous a fait. Because it's that word that has made us. Vous dites amen à ça. Do you say amen to that? Amen. Nous sommes une partie de cette parole. We are a part of that word. Et si étant une partie de cette parole, so being a part of that word, on n'a pas de choix. We don't have any choice. Nous devons seulement aimer la parole. We can only love the word. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Alors ce matin, nous voulons un peu parler sur la parole de Dieu. So this morning, we'd like to talk a little bit about the word of God. Nous voulons un peu parler sur ce qui est écrit dans la Bible. We'd like to talk about what is written in the Bible. Parce que nous savons que ce qui est écrit dans la Bible, because we know that what is written in the c'est Bible, c'est seulement la parole de notre Dieu. Is only the word of our God. Amen. Amen. Et on peut avoir tous les livres du monde. We can have any book of the world. Mais il n'y aura jamais un livre qui va s'égaler à la Bible. There'll never be a book that is going to be like the Bible. Parce que le prophète dit, but the prophet says, que si vous voulez connaître qui vous êtes, would you want to know who you are? Si vous voulez connaître d'où est-ce que vous venez, would you want to know where you're coming from? Que si vous voulez connaître où est-ce que vous êtes en train d'aller, would you want to know where you're going to? Il n'y a aucun livre de géographie qui vous le montrera. There's no book of geography that's going to show you. Il n'y a pas un livre d'histoire qui va vous montrer cela. There's no history book that's going to show you. Mais tout cela se retrouve dans la Bible. All that is found in the Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Yes, amen. I do. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. The Bible is the word. C'est la seule et unique vérité que nous connaissons. That's the only and unique truth that we know. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, and all that is written in the Bible, c'est la vérité sur vérité. Is truth upon truth. Est-ce que vous dites amen à sa église? It's the same to that church. Tout ce qui est écrit dans la Bible, all that is written in the Bible, c'est ça la volonté de notre Père pour nous. Is the will of our Father for us. C'est ça Dieu sous la forme des écrits. Is God on the shape of the writings. Est-ce que vous êtes avec moi, église? I use the church. Et si nous aimons la parole de Dieu, we love the word of God. Nous aimons la Bible. We love the Bible. Et ce matin, this morning, nous voulons un peu aller dans la Bible. We want to go to the Bible. Pour comprendre ce que William Branham a prêché. To understand what William Branham preached. Branham a prêché. Branham preached. Que Dieu est identifié par ses caractéristiques. God is identified by his characteristics. Vous dites amen à ça? Would you say amen to that? Que Dieu, il est identifié. God is identified par ses caractéristiques. By his characteristics. Il y a des choses qui doivent vous montrer. There are things that ought to show us. Mais ça, c'est Dieu. But this is God. Et ça, ce n'est pas Dieu. And this is not God. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Même si vous partez dans une église, would you go in a church? Quel que soit le nom de cette église, whatever the name of the church, vous devez reconnaître les caractéristiques de Dieu. You need to recognize God's characteristics. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Nous ne partons pas dans des églises. Because we can't talk in churches. Pour nous faire des amitiés. To have friends. Nous ne partons pas dans des églises. Don't go in churches. Pour montrer qu'est-ce que nous pouvons faire. To show what we can do. Pour montrer comment nous pouvons nous habiller. To show we can dress. Mais nous venons à l'église. But we go to church. Pour rencontrer Dieu. To meet with God. Pour que Dieu nous change. So God can change. Pour que nous puissions devenir des meilleurs. So we can become better. Et c'est pour savoir que c'est Dieu. To know it's God. Tu dois le connaître. You have to know him. Tu dois connaître ses caractéristiques. You have to know his characteristics. À quoi est-ce qu'il ressemble? What does he look like? Qu'est-ce que tu peux appeler Dieu? What can you call God? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Parce que aussi longtemps que tu ne comprends pas cela, as long as you don't understand that, tu vas perdre tout ton temps. You're gonna waste your time. Là dans l'église. Are you going to... Et ta vie reste toujours la même. And your life stays the same. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Tu pars tout le temps à l'église. We go to church. Même ta vie. But your life. Même Lucifer regrette pour ça. Even Lucifer is sorry about your life. Il sait que moi je n'ai pas atteint ce niveau-là. He said, even me, I haven't got to that level. Mais pendant ce temps, tu pars à l'église. During that time, you still go to church. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. C'est pourquoi nous devons connaître les caractéristiques de Dieu. That's why we need to know God's characteristics. Nous devons savoir c'est qui Dieu. We need to know who is God. À quoi est-ce qu'il se ressemble? What does he look like? Qu'est-ce que je peux appeler Dieu? What can I call God? Et qu'est-ce que je peux appeler Dieu? And what can I call God? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you with me this morning?
Yes, je commence à me sentir bien. I start feeling well. Yes. Je commence à me sentir dans ma peau maintenant. I start feeling myself. Hallelujah. Praise the Lord. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? You love the Lord Jesus? Yes, I do. Vous savez, mes frères. You know my brothers. Toutes les choses qui existent. Everything that exists. A special characteristic. Toutes les choses qui existent. Anything that is. Même quand vous partez dans la vie des animaux. Even if you go in the animal's realm. Vous pouvez trouver des animaux qui se ressemblent. You can find two animals that are alike. Mais chacun il a ses caractéristiques. But each one has its characteristic. Même s'ils étaient exactement la même chose. Even though they be the same thing. Mais ils ne sont pas exactement. But they are not exactly. Il y a une chose qui va les différencier. One thing is going to put them apart. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous allez voir des oiseaux, par exemple, comme si, for example, two birds, qui se ressemblent, they look alike, qui ont la même couleur, they have the same color, la même grandeur, the same bigness. Mais il y aura toujours quelque chose, but they're going to be still something, qui va les différencier, that is going to make them different. Parce que notre Dieu, because our God, il est le Dieu de diversité, is God of diversities. C'est avec moi? Are you with me? Ou vous êtes un peu fatigué. Maybe you can't of course. Vous avez peur parce que BK est là. Maybe you're scared because BK is there. Est-ce que vous êtes... Are you well this morning? Donnez-moi un peu. Give me. Amen. Amen. Ah, ça c'est difficile, papa. No, this is difficult. Le micro là, il faut que j'essaie ça pendant la semaine. That mic, I need to use it during the week. Alors, nous voyons que toutes les choses. Then we see that everything. Il y a une caractéristique qui les différencie. There is a characteristic that makes them different. Vous pouvez voir deux personnes. You can see two people. Qui sont vraiment des jumeaux. They are really twins. Mais il y a une chose qui va les différencier. But something is going to make them different. C'est normal. That's normal. Yes, it is. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Vous voyez un homme. You see a man. Et vous voyez une femme. You see a woman. Mais il y a une différence. There is a difference. L'homme, il est l'homme. The man is a man. Et la And the woman is a woman. Ils ont des choses qui diffèrent l'un à l'autre. There are things that differ one another. Mais dit que chacun a ses caractéristiques. That means each one has his characteristics. Chacun il a un point quand vous allez regarder. Each one has a point when you get a look. Vous allez dire que non, ça c'est la sœur Espérance. You're gonna say this is Sister Esperance. Et ça c'est le frère Jussai. This is Brother Jussai. Donc il y a toujours quelque chose qui va différencier. There is always something that is gonna make them different. From an MD. Brother, nous venons humains, when we come to the human being, les caractéristiques qui distinguent un homme et une femme, the characteristic that distinguish a man of il y a human, une différence. There is a difference. Tous deux sont des êtres humains. Both of them are human beings. Mais c'est par les caractéristiques des deux sexes qu'on peut détecter ce qu'ils sont. But it's the characteristics of the two sexes that we can detect who they are. Quand vous regardez, you look, vous allez dire que non, ça c'est la femme. You're gonna say this is a woman. Et non, là-bas c'est l'homme. No, this one is a man. Vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, yes. Il y a chez elle, je ne sais quoi, on ne peut pas les cacher. C'est une femme. There is something in her, I don't know what, we cannot hide it. Parce que sa caractéristique indique qu'elle est une femme. Because her characteristic indicates that she's a woman. Elle parle comme une femme. She speaks like a woman. Elle réagit comme une femme. She reacts like a elle woman. Elle pense comme une femme. She thinks like a woman. Elle pleure comme une femme. She cries like a woman. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you quand vous regardez la femme, when you get a woman, vous saurez que ça c'est la femme. You will know this is a woman. Et quand vous regardez, when you look, à la perversion qui est en train de se faire aujourd'hui, to the perversion that is happening now, quand vous regardez un homme qui veut devenir une femme, when you look at the man who want to be a vous woman, différenciez que ça c'est un homme. You will not make the difference. Et ça c'est une femme. And this is a woman. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, oui. Il peut vous ressembler. They can look alike. Il peut commencer à marcher comme une femme. He can start walking like il peut a woman. Commencer à faire des fières comme une femme. He can start, making mais laissez-le ouvrir la bouche pour parler. Let him open the mouth to speak. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, oui. Comme l'autre on a vu à Walmart. Like the other one we saw at Walmart. Ma marie nous a montré l'autre là, un homme et une femme tout à fait. Show us the other one. That's a woman. Elle marche rapidement là. Works quickly. Comme une femme. Like a woman. Ah. Oh. Et on était là en train d'observer. Moi j'ai dit ça c'est une femme. We are together watching. Le pasteur a dit ça c'est une femme. Pastor said this is après j'ai dit mais non on doit quand même voir ça. Let's see it very well. J'ai provoqué cet être là pour qu'il parle. I provoked the being so he can speak.
Je lui ai provoqué. I provoked. Je dis, mais il y a d'autres choses là-bas. There's something else. Il y a des lots qui sont là-bas, là-bas. Tu veux que j'amène ça aussi, que je laisse ça là-bas? You want me to bring it or to leave it? I got it. I got it. I got it. Je vais m'en occuper. Ah, j'ai regardé, mais quand j'ai dit ça, c'est un homme. I look at Peter and said, this is a man. Donc, la foi ne peut pas cacher cela. So the voice cannot hide it. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you here? Mes frères, Dieu n'est pas insensé. God is not insane. Dieu est Dieu. God is God. Dieu ne fait pas des erreurs. God doesn't make mistakes. Quand Dieu voulait qu'il y ait un homme et une femme, when God wanted a man to be a c'est woman, exactement ce que Dieu voulait. That's exactly what God wanted. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you here? Dieu n'a pas besoin des homosexuels. God does not need homosexuals. Et Dieu ne peut pas soutenir cela. And God cannot support it. Que Dieu avait détruit la terre. Because God destroyed the earth. À cause des homosexuels. Because of the homosexuals. Et en ce temps encore, mes frères. And this time again, my brother. Dieu détruira cette terre. How God will destroy this earth. À cause de la sodomite. À cause de ce péché de Sodome. Because et encore aujourd'hui. Of the sin of Sodom that is still today. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Mes frères, je vous dis. My brother, I'm telling you. N'ayez rien à voir avec eux. Don't have anything to do with them. Ils ne sont pas amis. They are not our friends. Never. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Quelqu'un doit se lever. Somebody needs to. Quelqu'un doit parler sur ça. Somebody got to talk about it. Quelqu'un doit s'opposer à ça. Somebody got to stand. Et nous le sommes. And we are. Yes, sir. Yes, sir. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Dieu n'est pas pour l'homosexualité. God is not for homosexuality. Dieu est contre l'homosexualité. God is against the homosexuality. Il a dit dans la Bible. He said in the Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good for a man to be alone. Il ferait un être semblable à lui. I'm gonna make him a pink. On l'appellera femme. It's gonna be called a woman. Vous êtes avec moi? Quand Dieu a laissé Adam. When God has left Adam. Pour nommer toutes les choses. To call everything. Quand il est arrivé à la femme. When he got to the woman. Adam l'appelle. Les femmes. Adam called her woman. Si vous êtes avec moi, dites amen. You say amen. Adam n'avait pas fait une erreur. Adam didn't make a mistake. Pour dire que non, on va l'appeler Steve. To say no, it's going to be called Steve. Non, on a dit on l'appellera Eve. He says she's going to be called Eve. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you saying yes? Ah oui, Dieu est contre l'homosexualité. God is against the homosexuality. Aujourd'hui même dans des églises. Today even in church. Ils sont comme ça. Même dans des églises. In some church. Mes frères. My brother. Nous sommes dans les vrais. We are in the truth. Et nous sommes dans les bons. And we are on the right way. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes. L'homosexualité c'est du diable. Homosexuality c'est la perversion. It's a perversion. Mais c'est que notre Dieu a créé. What our God has created. Praise the Lord. Et quand vous avez des relations avec eux, vous êtes sous la malédiction. When you have relationship with them, you are under curse. Yes, sir. That's right. Vous êtes sous la malédiction. You are under curse. Yes. Qui corrige ton Dieu? Somebody that corrects your God. Il me dit que tu m'as mal formé. You want to say you made a mistake? Je devrais être un homme. I'd like to be a man. Come on now. Il y a toujours quelque chose still qui va les différencier. That is going to make them different. Et l'autre qui essaie de devenir homme. The other one trying to be a man. Quand vous la regardez, when you look at her, vous direz que ça c'est une femme. You will say this is a woman. Même si elle change sa corpulence, even though she changed the way she is, quelque chose va dire quand même elle est une femme. Say this is a woman. Vous êtes. Are you saying yes? Vous dites que chaque chose. That means each thing. Est identifié par une certaine caractéristique. Is identified by some characteristic. Le prophète est allé très loin. The prophet went further. Il a dit regardez même les deux mains que nous avons. He said look at even at on les appelle le main. We call them hands. Mais il y a une différence. But there is a difference. Ça ne peut pas se ressembler. They cannot be alive. Avec moi, on les appelle les mains. We call them hands. Mais ça c'est la main gauche. This is the left et hand. Et ça c'est la main droite. And this is the right. Il y a toujours une différence. There is still a difference. Il y a quelque chose qui va dire. Something is going to say. Ça c'est gaucher. This is the left hand. Et celui-ci il est droitier. And this one is the right hand. Est-ce que vous êtes avec moi? I parce qu'il y a une caractéristique because à chaque chose. Because there is a characteristic in each thing. C'est ça ce que le prophète a dit. That's what the prophet says. Il dit que quand Dieu a créé toute chose, il a placé caractéristique après caractéristique. Sur chaque chose. He put characteristic upon characteristic on each thing. Au point que vous pouvez voir deux jumelles. To the point you can see two twins. Qui parlent exactement la même chose. They speak exactly the same way. Mais maman sait. But continue. Que non, celle-ci. And this. Elle est la première. This one is the first. Et l'autre, elle est la seconde. The other one is the second. Il y a quelque chose qui va les différencier. There is something that is going to make different. Je pense que vous me comprenez, Chris. Please, do you understand me? Yes, sir. C'est ainsi que notre Dieu aussi. That's the way our God is well. Parce que c'est lui qui a créé les caractéristiques. Because he's
the one that created characteristics. Lui-même, himself. Il se fait un caractéristique. He made himself a characteristic. Et quand vous allez regarder, when you're gonna look, que vous puissiez dire que ça c'est Dieu. You're gonna say, no, this is God. Yes. Et ça ce n'est pas Dieu. And this is not God. Vous êtes avec moi? You, yes. Ils peuvent prêcher la même chose. They can preach the same thing. Ils peuvent lire les mêmes prophètes. They can read the same prophet. Mais il y a quelque chose qui va les différencier. There's something that is gonna make them different. Est-ce que vous comprenez? Are you see? Yes. Ils peuvent dire que tous on a vécu le message au même moment. They can say we all believe the message the same time. Tous nous sommes de la même famille. We are all of the same family. On n'en disconvient pas. We don't, we are not. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence. But something is gonna make the difference. Si vous croyez ça, dites amen. If you believe, say amen. Parce que les caractéristiques de Dieu. Because God's characteristics. Ça doit se manifester. They ought to be manifest. Je crois ça, alegria. Do you believe in that alegria? Les caractéristiques de notre Dieu. Are God's characteristics. Ce n'est pas naturel. Are not natural. C'est spirituel. They are spiritual. C'est pas naturel. It's not natural. Fabanum dit ceci. Brother Branham says this. Comme Israël. Like Israel. Pendant qu'ils faisaient route en sortant de l'Égypte. While they were on the way leaving Egypt. Ils étaient en Égypte. They were in Egypt. C'était très bien. That was very well. Ils sont sortis de l'Égypte. They left Egypt. Quand ils étaient en train de faire leur chemin. When they were on the way. Ils sont arrivés à un point. They got to a point. Où ils ont rencontré une autre nation. Where they met with another nation. Sur leur chemin. On the way. C'est comme si vous n'êtes pas comme vous avez toujours l'habitude. It's like you are not like you always are. C'est comme si je ne vous sens pas. It's like I don't feel you. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Ah, j'ai besoin de vous sentir. Alléluia! I need to feel you. Ah, nous ne sommes pas dans la morgue. We are not at the morgue. Nous sommes là où il fait chaud. We are where it's hot. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes! Et nous sommes là où il y a les saints qui roulent par terre. We are there where the holy are rolling. Où les saints qui dansent et qui sautent sous l'onction. Where the holy are jumping under the anointing. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes! Yes, sir. Yes, sir. Comment on m'a dit Israël. Paul said Israel. Pendant qu'ils étaient en route. Where they were on the way. Ils sont sortis de l'Égypte. They left the Egypt. Ils étaient en route. They were on the way. Pour la terre promise. For the promised land. Ils ont rencontré une nation. They met a nation. Quand ils marchaient. Where they were walking. Ils ont vu une nation qui s'était établie. They saw a nation that was sur leur chemin. On the way. Et cette nation-là. Or that nation. On a appelé ça Moab. Was called Moab. Il dit, oh, Dieu était avec Israël. God was with Israel. Il leur avait montré des grands signes là-bas. He showed them great signs over there. Il leur a envoyé un prophète. He sent them a prophet. Et il leur avait identifié sa parole écrite. And he identified to them his written word. Il n'avait pas seulement les prophètes. There was not only mais the ils avaient l'identification de la parole écrite. But they had the identification of the written word. Est-ce que vous êtes avec moi? Et comme il les conduisait. And as he was leading them, nous observons sa caractéristique. We watch his characteristic. La façon dont il a rencontré Moïse. The way he met with Moses. C'était exactement l'identification. Was exactly the identification. Des caractéristiques de notre Dieu. Of our God's characteristics. Dieu ne l'a pas rencontré d'une manière physique. God didn't meet with him with only physical. C'était une manière spirituelle. That was a spiritual c'était way. C'était une manière surnaturelle. That was a supernatural mais way. Mais que Dieu est descendu. God has come down. Ça n'a jamais existé. The way it never existed. Et je ne sais pas si ça existera encore. I don't know if it's going to happen. Parce que bientôt, là sera l'enlèvement. Because soon it's going to be the rapture. Dieu est descendu. God came down. Sous la forme de la colonne de feu. On the shape of the pillar. Sur les buissons ardents. On the burning bush. Vous dites que les buissons étaient en feu. The bush was in fire. Mais ça ne se consumait pas. But it was not consumed. Ça, c'est les caractéristiques de notre Dieu. That's our God's characteristics. Vous dites que l'impossible doit devenir possible. Impossible becoming possible. Vous dites que ce que les gens ne pensaient pas. What people don't even see. Ça, c'est que notre Dieu est capable de faire. That's what our God is able to do. Là où les gens mettent des limites. That's where people put limits. Là où Dieu maintenant montre. That's where God shows. Il est parfaitement capable. He's perfectly able. Continuer la route. To continue the way. Est-ce que vous t'amènez à ça? He's able to do that. La façon dont il a rencontré Moïse, c'était l'identification de la caractéristique de notre Dieu. Was the identification of the characteristic of God. Parce que c'était surnaturel. Because it was supernatural. Les choses qu'il a faites, the thing that he did, c'était surnaturel. That was supernatural. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant qu'il faisait route, and while he was on the way, ils ont rencontré une autre nation. They met with another nation. Et c'était celle de Moab. That was the one of Moab. C'était une grande nation. That was a great nation. Ils n'étaient pas des païens. They were not heathen. Absolument pas.
Not at all. C'étaient les enfants de filles de Lot. They were the children, the daughters of Lot. Et ils étaient tous des croyants. And they were all believers. Maintenant, observez les deux nations. Now watch the two nations. C'est la partie que j'aime. That's the part I like. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient tous des croyants. They were all believers. Ils étaient tous des chrétiens. They were all Christians. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous venez me dire, observez les deux nations. They watch both nations. L'une d'elles était une nation reconnue. One was a non-nation. Alléluia. L'une d'elles. One of them. La nation des gens qui avaient beaucoup étudié. The nation of people who went to school. Une nation qui était reconnue. The nation that was born. Quand vous parlez le français, when they speak French, c'est comme si c'est eux les inventeurs de la langue française. It's like they invented the French language. Quand vous parlez l'anglais, when they speak English, vous n'avez aucune idée que ça vient du Congo. You don't have any idea that it's coming from Congo. C'était une nation reconnue. That was a well-known nation. Et l'autre, the other one, ne fait que demeurer dans le pays. They were just staying in the land. Et donc ils arrivent quelque part. They get somewhere. Où cette grande nation de Moab, where that great nation of Moab, est en plein sur leur chemin. Is on the way. Alors, qu'ils sont sur les sentiers du devoir. While they are on the line of duty. Pour se rendre dans le pays, promis. To get to the promised land. Tous les deux, both of them, ils étaient des croyants. They were believers. My. Tous les deux, both of them, ils avaient le même Dieu. They, alléluia, the same God. Tous les deux, my, both of them, ils avaient le prophète. Say the prophet. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Ils avaient la parole. Oh, they had the word. Mais frère Benoît dit, brother Benoît dit, l'autre nation, the other nation, se mettait sur le chemin de l'autre. They were on the way of the other one. Alors que l'autre allait pour conquérir le pays. Well, the other one was going to conquer the land. Mais cet autre, si vous voulez, là, est là pour mettre des coques à jambes. But the other one was there to put 100 in drinks. Est-ce que vous êtes avec moi? Easy, yes. C'était deux nations. They're two nations. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. Let me say Branham. Il a dit, l'autre était sur le sentier du devoir. The other one was on the line of duty. Pour se rendre au pays promis. To get to the promised land. Mes frères et mes sœurs. My brother and my sister. Quand vous êtes sur le sentier du devoir. When you're on your line of duty. Sachez que le ciel est en arrière. Not that the heaven is alert. Aucun malheur ne pourra vous arriver. No what can happen to you. Notre Dieu va se tenir là pour chacun. God will stand there for you. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous qui avez la promesse. Yes, the promise. Que vous devez recevoir le Saint-Esprit. You receive the Holy Spirit. Sachez que rien ne vous empêchera. Not that nothing is going to prevent you. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe? Notre Dieu, il est parfaitement capable. Our God is perfectly able. De frayer un chemin. To make a way. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. So you can receive the Holy Spirit. Pour madame dit, brother says, regardez les deux nations. Look at both nations. Elles avaient chacune un prophète. Each one of them had a prophet. Ce n'est pas que les autres étaient des païens. It's not the other one were heathens. Toutes les deux nations, both nations, avaient des prophètes. They had a prophet. Mais écoutez ça. But listen to this. L'un d'eux, one of them, c'était le grand enseignant et prophète. Was the great teacher prophet. Balaam. Balaam. Et l'autre, the other one, c'était Moïse. Was Moses. Alléluia. L'un était le grand enseignant. One was the great teacher. Et prophète. And prophet. Mais l'autre, the other one, c'était Moïse tout court. Was Moses. And that qui ne cherche pas qu'on appelle pasteur. That seek to be called pastor. Évêque. Or a bishop. Archevêque. Or archbishop. Bishop. Bishop. Lui, c'est Moïse. Him, his name is Moses. Mais l'autre là-bas, docteur Balaam. The other one, Dr. Balaam. Qui connaît les écritures par cœur. He knows the scripture. Ça ne paye pas. By heart. It doesn't pay. Alléluia. Praise the Lord. Ça ne paye pas, mes frères. It doesn't pay, my brothers. Regardez les deux nations. Look at both nations. Voilà l'autre était le grand enseignant. Le prophète. Was the great teacher prophet. Balaam. Balaam. Mais l'autre c'était Moïse. The other one was Moses. Et voilà Balaam qui se présentait pour maudire Israël. Presenting to curse Israel. Maudire Israël. Curse Israel. Un peuple spécial. Special people. Les maudire. To curse them. Un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. The people that God has chosen himself. Dieu. God. Il les a choisis. He chose il them. A fait cette élection. He made that election. Il a dit, moi, c'est Israël. He said, for me, it's Israel. Israël était entre les mains de Dieu. Israel was in the hands of God. Il n'avait pas de conseiller. He didn't have advisor. Pour lui dire que non, choisis Israël. No, choose Israel. C'était no. Le choix de Dieu. That was God's choice.
Alléluia! Praise God. Vous êtes avec moi? Are you with me? C'était que Dieu était assis dans sa pensée éternelle. God was sitting in his eternal thought. Il a dit que moi, j'ai choisi Israël. He said, me, I'm choosing Israel. Avant la fondation du monde, before the world foundation, Dieu avait choisi Israël. God chose Israel. Il a dit, Israël, c'est mon peuple. He said, Israel is my people. Et quand vous remarquez, mes frères, when you notice, my brother, quand Israël tombait, even when Israel was falling, Dieu l'a frappé, God was trying, mais il l'a récupéré. And he was taking them back. Mais son peuple, his people, c'est Dieu qui les a choisis. It's God that chose them. C'est une affaire de l'élection. That's a business of the election. Vous êtes avec moi? Are you with me? L'affaire de l'élection. The business of the election. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conseiller. That means there's no advisor. Ça veut dire que c'est le monsieur lui-même. That means that himself. Il a dit toi. Non. He wants to say you know. Toi oui. You yes. Toi non. You no. Toi oui. You yes. Toi tu vas bien étudier, pas toi. You're going to go to school where? Toi là-bas, oui monsieur. You yes. Yes. C'est l'affaire de Dieu. That the business c'est of God. C'est l'affaire de la décision de Dieu. That the business of the decision of God. Est-ce que vous êtes avec moi? Do you say amen? Personne ne pourra jamais influencer l'élection de Dieu. God's election. Et quand Dieu choisit, when God chooses, la Bible dit, the Bible says, ce qui est écrit, what is written, est déjà écrit. It's already written. Yes, il ne changera pas. He won't change it. Quand il est parti ici en Amérique, when he went in America, il a regardé dans cet état, non. He looked in this state, no. Dans l'autre état, in non. That state, no. Dans cet état, non. In this state, no. À Concorde, non. In Concord, moi, c'est Charlotte. Me, it's Charlotte. C'est l'affaire de l'élection de Dieu. That's the business of the election of God. Personne ne changera cela. No one will change it. Yes, yes. Je vais entendre un amen. I want to hear an amen. Tu vas changer ça comment? How are you going to change it? Quand il a choisi, personne n'était là. When he chose, nobody was there. Il était seul avec Charlotte. He was alone with Charlotte. Il a fait un deal avec Charlotte. He made a deal with Charlotte. Charlotte, tu es ma ville. Charlotte, you're my town. Et je descendrai à toi. I'm going to come down to you. Pour manifester ma gloire. To manifest my glory. C'est le choix de Dieu, frère. That God chose, brother. Yes. C'est le choix de Dieu. It is God's choice. Qu'il pleuve. May it rain. Qu'il neige. May it snow. Ce réveil va aller partout. This revival will go all over. Et personne ne saura jamais l'arrêter. No one will never be able to. Parce que personne ne peut arrêter l'eau. Because no one can stop the water. Personne ne peut arrêter le vent. No one can stop the wind. On n'arrêtera jamais ce réveil. Let's never stop this revival. Never. Vous êtes avec moi? Ah, yes, oui. Ça va aller. That will go. Partout. Everywhere. Ça va amener toutes les races. It will bring all the races. Parce que c'est la caractéristique de Dieu. Because it's God's characteristics. C'est un peuple que Dieu lui-même s'est choisi. That people that God himself chose. Israël. Israel. Qui marchait. That was walking. Est arrivé là-bas. Got there. Moab était là. Moab was on the way. Pour mettre des barrières. To put barriers. Pour mettre des barrières. To put barriers. Ils sont toujours là. They're still there. Amen. Ils seront toujours là. And they're still going to be there. Mais frère Branham m'a dit. Brother Branham says. N'ayez rien à voir avec eux. Don't have anything to do with them. Vous faites votre chemin. You go your way. Laissez-les aussi là-bas. Let them there. Ils ne veulent pas venir ici. Laissez-les. They don't want to come here. Leave them alone. N'ayez rien à voir avec eux. Don't have anything to do with them. Nous avons notre vision. We have our vision. Je pense que vous me comprenez, Église. I believe you understand me, church. Yes, we do. Yes. Alors ce peuple est arrivé devant eux. But people got in front of them. Balak. Balak. L'a dit à Balaam. Todd Balaam. Voilà ce peuple qui est ici. Look at these people here. Viens les maudire pour moi. Come on and curse them for me. Maudire ce que Dieu a béni. To curse what God has blessed. Vous êtes vraiment sûr que ça va réussir? Are you really sure it's going to happen? Ça ne réussira pas. That won't happen. Maudire le peuple de Dieu. To curse the people of God. Ça va revenir sur vous-même. It's going to come back on you. La Bible dit on lui a donné les biens. Bible says they gave him good. C'est dans Nombre 22. It's in Numbers. On lui a amené le présent. They brought him the gift. Pour qu'il vienne. So he can come. Pour maudire. To curse. Le peuple d'Israël. The people of Israel. Un serviteur de Dieu qui aime toujours l'argent. The servant of God that loves the money. Toujours l'argent. All the time the money. Toujours. All the time. Ça va l'amener à trahir. It's going to bring him to betray. Les divins. The divine. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. L'argent, la Bible dit, c'est la racine de tous les maux. The Bible says that money is the root of all evil. Un serviteur de Dieu qui court toujours derrière le panier. It is all the time behind. Derrière l'argent. The time behind the money. Un serviteur d'argent. Servant of man. Il n'ira pas loin. He won't go far.
Je pense que je vous dis la vérité. Yes, you are. Quand Dieu nous appelle au travail, frère. When God calls us for work, brother. Moi, on m'a appris de ne pas regarder d'abord au salaire. They told me to not look at the wage. Fais d'abord le travail. Do the work first. Fais d'abord le travail. Do your work. Prêche l'évangile. Preach the gospel. Amène les âmes à Christ. Bring the souls to Christ. Amène les au baptême du Saint-Esprit. To the baptism of the Holy Spirit. C'est le Dieu du ciel qui va te récompenser. God of heaven is going to reward you. Je pense que j'ai dit la vérité. Say the truth. Parce que quand vous regardez d'abord à l'argent, when you look at the money first, vous n'irez pas loin. You won't go further. That's right. Prêchez d'abord l'évangile. Preach the gospel. Mes frères, my brothers, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas le faire comme nos pères? Why don't we want to do like our fathers? Nos pères sont sacrifiés our pour fathers. Que ce message soit prêché partout. Give a sacrifice, Mrs. Il ne regardait pas au bien matériel. They were not looking at the material. Affamé. They were sleeping. Il n'avait pas de souliers sur les pieds. He didn't have shoes on. Il n'avait pas d'habits, frère. He didn't have clothes. Et il regardait à Dieu. He was looking away to God. Il ne comptait pas sur les dîmes. Il ne comptait pas sur les offrandes. Par contre, il soutenait les œuvres de Dieu. Supporting the work of God. Le grand problème aujourd'hui, the great issue, on a des Balaam dans le message. We have Balaam in the message. Qui veulent amener la politique dans l'église. They want to bring the politics. Le message est devenu politisé. The message become politicized. Je pense que j'ai dit la vérité. Yes, sir. Yes, you are. Et il y a peu seulement que Dieu a appelé. Only few that God has called. Peu seulement peu. Only few. On peut compter les par les mains. We can parce que Dieu avait dit. Because God said, la moisson est grande. The field is big. Mais priez. But pray. Pour que Dieu envoie. So God can send. Yes. Ce que Dieu a envoyé. Those who God ils n'ont pas peur de la distance. They're not scared of the distance. Ils n'ont pas peur du trajet. They're not scared of the ils n'ont pas peur de la pauvreté. They're not scared of the poverty. Ils n'ont pas peur des sacrifices. They're not scared of the sacrifice. Ils font ce que leur maître les a appelés pour faire. They do what their masters called them to do. Je vous dis la vérité. Ce sont là les véritables Moïse. These are the true Moses. Ils ne regardent pas son âge. They don't look at the age. On lui dit va à l'Égypte. Il dit à vos ordres. Envoie les bâtons. Et j'irai en Égypte. Là-bas qui est l'armée. Qui est Pharaon. Qui est tout ce que ça fait. Je m'en fous de ça. Okay. Celui qui m'a dit allez-y. Me go. Il sera avec moi. He'll be with me. That's right. Je pense que j'ai dit vrai. Say the truth. Yes. Yes, you are. Il y a peu que Dieu a appelé. Only few that God has called. Tout le monde veut s'appeler lui-même. Everybody want to call himself. Quand il lit deux brochures, je suis appelé. When he read two brochures, quand il lit trois brochures, je suis appelé. Brochures, I'm called. Quand on lui présente même devant une before. Femme qui est stérile, woman il n'arrivera jamais à prier. Non, il t'envoie à l'hôpital. Il s'est go to Dieu hospital. Est identifié par ses caractéristiques. God is identified by his characteristics. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Parce que quand Dieu t'appelle, when God quand calling, Dieu t'envoie, God il you, fait la route ensemble avec toi. He's gonna make the way together with you. Hey, yes, jamais yes. Il ne t'amènera pas seulement les discours. He'll not bring only the speeches. Il ne t'amènera pas seulement la mécanique. Only the mécanique. Mais il te donnera la mécanique. The mechanic, la dynamique. And the dynamic. Yes. That's my God. Yes. Que vous êtes avec moi? Yes. Quand il marche avec toi. When he was with you. Même quand tu es devant Pharaon. When in front of Pharaoh. Il te dira Moïse. He's going to tell you Moses. N'est-ce pas que je t'avais dit que je serai avec and toi? I told you that I'll be with you. Jette ton bâton. Cast your staff. Qu'il devient un serpent. Let it become a serpent. Vous dites que nous aussi nous faisons les miracles. Say we do attention avec les miracles. Big and free. D'un enfant de Malachi 4. Of a son of Malachi 4. Qui a cru aux promesses du jour. Let us believe it. Ça va avaler le petit serpent. It's gonna swallow ça va avaler le petit serpent. Ça va avaler le petit serpent. Ça va avaler le petit serpent. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes. Parce que lui il est vacciné. Because he's vaccinated. Sa vie est correcte avec la he's parole de Dieu. His problem is the word of God. Est-ce que vous dites amen à ça? Yes, amen. Je parle de la différence. I speak of the difference entre nous et eux. Between us and them. C'est les caractéristiques de notre Dieu. They are God's characteristics. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you see? Yes. Balaam l'a corrompu. Balaam was bribed. Pour aller maudire le peuple d'Israël. To curse the people of Israel. Dieu l'a dit, monsieur. God said, sir. Tu ne les maudis pas. You don't curse them. Moi, Dieu, je les ai bénis. Me, God, I have blessed them. Vous êtes avec moi? Ah, yes, oui. Ce n'est pas un homme qui t'a béni. It's not a man who has blessed. Ce n'est pas un contrat entre toi et un homme. It is not a contract between c'est you and c'est un contrat entre toi et l'Éternel. It's a contract between you and the Lord. Dieu qui t'a créé. The God that has created you. Tu es obligé d'être béni, frère. You are obligé
ready to be blessed, brother? Yes. Yes. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Hey, écoutez-moi bien. Listen to me very well. Personne. There's no one. Comme on dit, no one. Personne. Peut empêcher que les bénédictions de Dieu arrivent dans ta vie. Can prevent God's blessing to get in your life. Non, il n'est pas là. No, he's not there. Il n'est pas là. He's not there. Qu'il forme leur complot comme il veut. The plot the way they want. Il forme leur réunion comme il veut. They make the plot the way they want. Job avait dit. Job says. Je sais. I know. De mon rédempteur. My redeemer. Il est vivant. He's alive. Il se lèvera le dernier. He rises the last. Hallelujah. Praise the Lord. Même si on forme leur complot contre toi. The plot against you. La Bible dit. Bible says. Sache que ce complot ne viendra pas de lui. The plot won't come from him. Hallelujah. Amen. Parce que tout arme forgée contre toi. The weapon made against you. Restera nul. He'll be with et sans effet. No effect. Yes. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ils ont toujours à penser la mort. They always have the thought of death. Toujours à penser la mort. All the time the thought of death. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, la mort. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Daniel, la mort. Daniel, death. Oh, tout le monde, la mort. Everybody, death. Ton Dieu s'élèvera. Our God will rise. Yes. Alléluia. Praise the Lord. Que ce soit par la fournaise ardente. Hate me by the furnace fire. Jésus descendra. Jesus will come. Que ce soit par la fosse au lion. Hate me by the lion. Jésus descendra. Jesus will come down. Que ce soit par la cataracte. Hate me by the cataract. Wabi Shima va agir. The plunder is going to work. Que ce soit par la tension. Hate me by the blood pressure. Il va changer le cœur. He's going to change the heart. Praise the Lord. Praise the Lord. That's what I believe. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. That's what I believe. L'homme veut toujours ton échec. The man sees your failure. L'homme ne veut pas que tu prospères. The man doesn't want you to prosper. L'homme a toujours une jalousie. He always said jealousy. Tu lui donnes tout mais continues. He gives everything but he continues the jealousy. Ton Dieu est vivant. Your God is alive. C'est lui qui a choisi Israël. The one that has chosen Israel. Il ne donne ni sommeil. He doesn't sleep neither slumber. C'est celui que j'appelle Wabi Shima. That the one I call God of Wonders. Le Chilobo. The hero. Je vais vous informer que je me sens bien. I'm telling you that I'm. Hallelujah. Praise the Lord. Celui qui te garde. The one that keeps you. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. That the one created heaven and earth. Même le souffle qui est dans les corps de tes jaloux. Even the breath that was in the body. C'est lui qui l'a placé. He's the one that put it in there. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you ici? La bonne santé que tes ennemis ont. The good health that your enemies have. C'est Dieu qui les a donné. It's God that has given it to you. Et c'est Dieu là, c'est ton père. And that God is your father. Qui va t'accuser? Who's going to accuse you? Praise the Lord. C'est une affaire strictement familiale. That's the business of the family. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Et ils t'accusent pendant les jours. They accuse you during the night. Mais le soir, on a une réunion de famille. In the evening, we have a family. Nous sommes tous avec le papa. We are all with the father. Le soir, nous sommes à genoux. In the evening, we kneel. Papa, mais tu penses quoi? That what you think. Papa, qu'est-ce que tu penses? That what you think. Il a dit, je vous ai choisi. He said, I have chosen. You are my people. Vous êtes mon peuple. Hallelujah. Praise the Lord. Est-ce que vous vous sentez bien? Are you feeling? Hallelujah. Faites pour la gloire de Jésus. Put your hands together for the glory. Hallelujah. The glory of Jesus. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Je me sens très bien. I feel so well. On l'a envoyé mercenaire. They sent him hirelings. Le prédicateur mercenaire. Minister hirelings. Regarde toujours l'argent. They always look at the money. Toujours. All the time, the money. S'enrichir lui-même. And to get rich. S'acheter des maisons. Buy houses. Il n'a même pas souci de ses membres de l'église qui marchent à pied. Of the members of the church that walk on foot. Qui n'ont rien à manger. They don't have anything to eat. Les mercenaires. The hirelings. Il peut trahir l'âme d'un enfant de Dieu. They can betray the soul of a child of God. À cause de l'argent. Because of the money. Pendant qu'une âme. While one soul. A coûté la vie. Has costed the life. De Dieu. Of God. Une âme. One soul. Est-ce que vous vous imaginez de ça? Can you imagine that? Personne ne peut jouer avec toi. No one can play with you. Personne ne peut jouer avec ton âme, ma sœur. No one can play with your soul, my sister. Ça n'a pas été racheté à $100. Was it redeemed at $100? Oh, ton âme, your soul, c'est le fils de Dieu. That the son of God. Qui est monté sur la croix. That went up on the cross. Pas avec des habits, mes frères. Not with clothes. Il était nu. He was naked. Entre cieux et la terre. Between heaven and earth. Pour qu'on t'appelle chrétien. So you can be called a Christian. Ton âme a de la valeur. Your soul is the value. Devant les yeux de ton Dieu. In the eyes of your God. Tu ne peux pas jouer avec ça. You cannot play with that. Que ça ne devienne pas la poubelle de quelqu'un. You will not become the trash. Pour venir jeter des critiques. Become a critic. Jeter la haine. Your hatred. Jeter la jalousie. Your jealousy. Jeter le mensonge. Show the lie. Non, tu dois réclamer la valeur de you ton âme. You need to claim the value of your soul.
Je crois que je suis clair. I believe I'm clear. Christ a payé. Christ has paid. Sa vie. His life. La mort à la croix. Death upon cross. Mort. Il est mort par la honte, par l'ignominie. He's died by shame, by a reproach. Pour toi. For you. Pour toi. For you. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Not something that you can play with. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, that's why when you come to church, je ne crois pas que la chair c'est un endroit de jeu. Brother Bram said, I don't believe that the pulpit is a place where you can play. C'est un endroit où on doit prêcher la parole de that's Dieu. A place you need to preach the que word ça of God. Toucher le cœur de quelqu'un. That somebody's heart. Yes, sir. Tu me crois à ça, dit amen. If you believe, say amen. Ton âme. Your soul. A été racheté à un grand prix. Was redeemed at a great price. Mais il y a des prédicateurs qui se jouent avec ça. But there are ministers that play with that. Ils vous disent de n'importe quoi. They tell you any kind of things. Ils vont rendre compte à Dieu. They're gonna give account to God. Avant d'aller en enfer. Before they go to hell. C'est pas Dieu qui les a appelés. Not God that has called them. Ce sont les Balaam. They are Balaam. Les serviteurs d'argent. Servant of money. Il veut que tu restes là pour que tu paies la dîme. They want you to stay there so et il nourrit ton âme avec la fausseté. He feed your soul with false things. Il fait de cela la poupée de Branham et Dieu. Of his, the trash of Branham can never be a God. Never. Branham ne peut jamais être Dieu. Never. Jamais. J'ai dit never. I said jamais. Lui-même Branham il a dit. Himself Branham said. Jésus Christ. Jesus Christ. Personne ne peut jamais atteindre le niveau qu'il avait atteint. No one can never get to the level that he got to. That's right. Si vous croyez, dites amen. If you believe, say amen. 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 On a lu Branham ici. You read Branham here. Branham a dit. Branham said. Il a récité tout ce qu'il voulait. He said everything he wanted. L'hélice de la vallée. The lily of the valley. L'étoile brillante du matin. The shining star. La rose de Sharon. The rose of Sharon. Le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. The first of the for my soul. Et il a dit à la fin. At the end he said. Je manque de mots. I don't even have words. Pour expliquer qui il est. To explain who he is. Hallelujah. Amen. Votre âme, your soul, coûte cher, worth a lot. Votre âme, your soul, a besoin de voir les caractéristiques de celui qui l'a racheté. Needs to see the characteristic of that one that redeemed him. Tu n'as pas besoin de discours. It's not everybody that needs a speech. Tu n'as pas besoin d'explications. Your soul doesn't need explanations. Comment tu peux enlever les mensonges dans quelqu'un? How can you remove the lies in somebody? Avec des explications. With explanations. Les explications n'ont pas le pouvoir pour changer quelque chose. Explanations don't have any power to change something. No, it takes something else. No, ça a besoin de quelque chose d'autre. Vous croyez à ça? Do you believe? Et Balaam est allé pour maudire. And Balaam went to curse. La Bible dit. The Bible says. Quand il est arrivé là-bas. When he got there. Ça n'a pas marché. It didn't work out. Quand il a ouvert sa bouche pour parler. When he opened his mouth to speak. Oh, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, God is not a man to lie. Ni fils d'Adam pour avoir du regret. Not even the son of Adam to be ce sorry. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? What he say, won't he be do it? Ce qu'il a déclaré, ne le tiendra-t-il pas? What he's declared, won't he do it? Ne le maintiendra-t-il pas? Won't he do it? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Because I received the order to bless. Voici, j'ai reçu l'ordre de behold, I have received the order to bless. Mes frères, nous n'avons pas reçu l'ordre de maudire. My brother, we didn't receive the order to bless, to curse. Dieu nous a donné l'ordre de bénir. God has given us the order to bless. Même ceux qui nous font du mal, bénissons-les. Even those who hurt us, let's bless them. En les bénissant, ce sont les charbons de feu que nous mettons sur la tête. By blessing them, we put upon them coals of fire upon them. Amen. Amen. Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? What he has declared, won't he maintain it? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Behold, I received the order of blessing. Et Dieu a béni. Je ne le révoquerai pas. And God is blessed. I won't rebuke it. Vous voulez que je continue? Do you want me to continue? Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. He doesn't see any unfairness in Jacob. Ça c'est le Dieu qui t'a choisi. That's the God that has chosen you. Il a les yeux fermés. He has the closed eyes. Ah, Becky avait fait ça, je m'en fous. Becky did that, I don't care. Elle avait encore dit ça, je m'en fous. She said that, I don't care. Ça c'est le Dieu qui t'a appelé. That's the God that has called you. Le Dieu qui t'a choisi. God that has chosen you. Yes, sir.
Est-ce que vous vous sentez bien, mes frères? Are you feeling well, my ça, c'est le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi. God that has given the life of up on the cross for you. Il a donné à ton voisin l'ordre de te bénir. He's given to your neighbor the order to bless you. Il a donné l'ordre au sorcier de te bénir. He's given the order to the sorcerers to bless you. Si vous croyez à ça, dites amen. If you believe, say amen. Mais c'est l'ordre que Dieu a donné. That the order that God has given. Bénissez. Bless. Il continue là-bas. He continues there. Il ne voit rien de pénible en Israël. He doesn't see anything painful in Israel. Tout ce que vous voyez là, pénible. All that you see painful. Dieu ne le voit pas. God doesn't see it. Tout est solution pour Dieu. Everything is solution for God. Parce que la solution a précédé ton problème. Because the solution went before your problem. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Can you say amen to that? La Bible dit au commencement. The Bible say at the beginning. Était ton problème? Was your problem? Au commencement. In the beginning. Était la parole. Was the word. Et la parole. And the word. C'est la solution à tout ce qu'on a comme problème. Is the solution to everything that we have as a problem. Donc les problèmes sont venus après la parole. So the problems came after the word. Et quand tu as ton petit problème, ramenons cela à la parole. Let's take it to the word. Il y a une solution. There's a solution. Yes, sir. Il n'y a pas un problème. There is no problem. Qui peut rester sans solution. That can stay with no solution. Devant la parole de Dieu. In front of the word of God. Non, il n'y en a pas. No, there's none. La maladie. The sickness. Mais c'est réglé. It's already fixed. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. I am the Lord that heals you with all your diseases. Par ses meurtres ici, nous avons été guéris. By his stripes, we were healed. La disette. The hunger. Jéhovah Jireh. It's Jehovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. The God that provides. La Bible dit dans le psaume 46. Bible says in Psalm 46. Il est l'Éternel. Is the Lord. Qui fait cesser tes combats. That makes cease your combat. Même quand tu es dans les combats, even when you're in combat, tu es dans les combats, in combat, il est l'arbitre, he is the referee. Hallelujah! Praise the Lord. Même quand tu es par terre, even when you're on est en train de compter, they're counting down. One, deux, two, trois, three. Il dira continue seulement à compter. So just continue to count. Il n'a pas échoué. He hasn't failed. Il se repose. He is resting. Hallelujah! Praise il est l'arbitre. He is the referee. Il est de notre côté. That is an answer. Quel que soit le problème. Whatever the problem. Même que ça t'est deux minutes. Even when it's only 2 minutes. No. Prolongation. Extra time. Et même quand vous échouez. Even when you fail. Lui dit non. Say no. Il n'a pas échoué. They didn't fail. Parce qu'il est aussi votre avocat. Because he's also your advocate. Hallelujah. Amen. Et en lui, il n'y a pas d'injustice. In him, there is not fairness. Même quand il dit que tu n'as pas échoué, il n'est pas injuste. It's not unfair. Il dit la vérité. He says the truth. Yes, he does. De quoi aurais-je peur? What am I going to be scared of? De quoi est-ce que nous devons avoir peur? N'ayez peur de rien. Don't be scared of anything. Tout ton combat est entre les mains de Dieu. Your combat la Bible dit que le combat appartient à l'Éternel. So the combat is et la victoire nous appartient. And the victory is ours. Yes, sir. Yes, sir. C'est ça, c'est que moi je crois. That's what I believe. Yes, sir. Quel que soit le degré de la bataille. Whatever the degree of the battle. Non. No. N'aie pas peur. Don't be scared. L'arbitre est de notre côté. The referee is on our side. Il s'appelle Wabishima. His name is God of Wabishima. Il ne voit même pas le côté adversaire. He doesn't see the opponent. Lui, il le voit de nous. He just sees us. Quand tu es faible, il te porte. When you're weak, he carries you. Jésus. Jesus, l'ami fidèle, the faithful friend, comme il a dit à cet homme, as he told that cet homme a assez de courage. That man has some courage. Il a demandé à Dieu, yes to God, tu m'avais dit, you told me, oh my, my, que tu ne m'abandonneras pas. You won't abandon me. Tu seras toujours avec moi. You'll be with me. Même quand la bataille sera large, when the battle is tu seras avec moi. You're gonna be with mais me. Regarde, look, regarde les traces. Look at the footprints. Tu m'as laissé. You left me. J'étais seul. I was alone. Dieu a ri. God laughed. Mon fils. My son. Mon fils. My son. Si tu pouvais seulement comprendre. Would you only understand? Essaye un peu de mettre tes pieds là. Try to put your feet in there. Ça, ce n'est même pas toi. This is not even you. Quand tu es arrivé à ce niveau. When you got, oh my. Je savais que tu allais être faible. I knew you'd be weak. Oh my. Et moi qu'on appelle l'ami fidèle. Me that is called the faithful friend. Je t'avais transporté. I carried you. J'étais entre mes mains. You were in my hands. Ma soeur, quand tu pleures là, my sister, when you cry, tu es entre les mains de Dieu. You are in God's hands. La Bible nous
nous enseigne Bible is teaching us qu'il n'y a pas une épreuve qui va dépasser le niveau de notre foi. No trial that is going to be over our faith. Malgré la quantité de l'épreuve, je frayerai un chemin will make a way pour que tu puisses traverser ces épreuves. Cross those trials. Dieu est capable God is able. Que ça prenne le temps. Let it take time. Parfois, Dieu laisse que les gens se moquent de toi God leave people to mock pour que tu comprennes la so valeur du miracle qu'il va the faire value pour toi. The miracle he's going to make for you. Dieu va laisser que les gens se moquent de toi. Let people mocking you. Oh non, il y a beau t'agater. No, elle ne peut pas avoir des enfants. Qui a dit ça? Who said so? Dieu a dit dans la Bible. God said in the Bible. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. There won't be any baby. Mes frères, brother, nous avons un témoignage. Here a testimony. Abraham était âgé. Abraham was elder. Et Dieu God avait conditionné son corps. Put the condition in his body. À l'accomplissement de la promesse de Dieu. To fulfill God's promise. Il est aussi capable de le faire ici. He's so able to do it here. Vous savez quoi? You know what? Dieu, il a les pièces de rechange de ton corps. God is the part for Dieu your body. Dieu est capable d'enlever le cœur, d'enlever votre cœur, d'enlever la tête et mettre notre tête, d'enlever la main et mettre notre main, d'enlever le ventre et mettre notre ventre, and to put a new womb. Yes, he is. Tu es capable. God is able. C'est lui qui t'a créé. He's the one that created. Bonhomme dit, we are talking about the creator. But I'm saying, nous parlons du créateur. Nous ne parlons pas de la créature. We don't talk about the creator. Nous parlons du créateur. We talk about the creator. C'est quoi le cancer devant lui? What is the cancer? Big A prié pour 1000 cancers. Big A prayed for. Et Dieu les a guéris. C'est quoi le cancer? What is the cancer? Tu es capable d'enlever le cancer. God is able to remove the cancer. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Nous ne sommes pas dans un côté où nous devons pleurer. We are not on the side that we are to pray. C'est un côté où nous voyons les caractéristiques de Dieu matin, midi, soir. The characteristics of God, morning, noon and afternoon. Matin, midi, soir. Morning, noon and afternoon. À tout moment que tu veux un miracle, tu en auras. Anytime you want a miracle, you're going to have it. On n'a pas peur du diable. We're not scared of the devil. Le diable nous connaît. The devil knows us. Quand on m'a dit les Africains ne sont pas civilisés. When said, the Africans are not civilized. Quand les maladies viennent. When the sickness comes. Quand ils trouvent les Africains. When they find the Africans. Ils se rendent. They hold les mains. They put their hands up. Parce qu'ils savent que les Africains. Because they know Africans. Ils connaissent qui ils sont. They know who they are. Ils sont les enfants de Dieu. They are the children of God. Ils sont guéris par Dieu lui-même. They are healed by God himself. Wow, je me sens bien. I feel well. Vous comprenez mes émotions? You understand my emotion. Elle dit comment maudire? He said how to curse. C'est que Dieu a déjà béni. What God has already blessed. Ce matin, this morning, personne ne te maudira. No one is going to curse you. Personne. No one. N'a le droit de contrecarrier tes bénédictions. Has the right to stand against your blessing. Non. No. Quand Dieu a permis le mariage, when God has allowed the marriage, ça veut dire que les gens doivent se marier. That means people gotta get married. Et ça veut dire qu'ils doivent avoir des enfants. That means they need to have children. Yes, sir. Je peux entendre un amen? Amen. Amen. Parce qu'il a dit, mariez-vous. Because he said get married. Multipliez-vous. Multiply yourself. Selon votre espèce. According to your species. On se tient là, non? We're standing there, right? Yes, we are. On se tient là. We're standing right there. Nous n'irons nulle part. We won't go anywhere. Amen. Amen. L'Éternel son Dieu. The Lord is God. Est avec lui. He's with them. Avec qui? With who? Avec toi. With you. Il fait entendre une clameur royale. Makes hear a royal sound. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. God has brought them out of Egypt. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. It's for them like the strength of the cow. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. The divination cannot do anything in front of Israel. Est-ce que vous croyez à ça? Do you believe? I do. Un chrétien qui a peur des sorciers, peur des sorciers. That is scared of the sorcerers. Peur des sorciers, peur des sorciers. La Bible dit l'occultisme ne peut rien contre toi. Bible says divination cannot do anything against you. La magie ne peut rien contre toi. Magic cannot do anything against you. Ni la divination contre Israël. Nor the divination in front of Israel. Au temps marqué, at the appointed time, il sera dit Jacob. It's going to be told à Israël. And to Israel. Quelle est l'action de Dieu? What's God's action? Voici. Behold, un peuple qui se lève comme une lionne. People that raise like a lion, et qui se dresse comme un lion. And that stands like a lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie.
doesn't lie down before he has eaten the prey. Et qu'il ait bu le sang des blessés. And he's drunk the blood of the wounded. Vous savez, quand vous venez chez Dieu, you know, when you come to God, ne retournez pas tel que vous étiez venu. Don't depart the way you came in. Comme aujourd'hui là. Yesterday, si vous rentrez tel que vous étiez venu, go back the way you came in, c'est votre affaire. That's your own problem. Parce que Dieu est au rendez-vous. Because God is there. Et il est parfaitement capable. Perfectly able. De guérir ton âme. To heal your soul. De guérir ton corps. And to heal your body. Yes, sir. Il yes, est capable. Sir. He's able. Vous êtes avec moi. Are you with me? Revenons un peu dans notre histoire. Let's come back in our story. Alors ce peuple. Then that people. On a envoyé quelqu'un pour les maudire. They sent somebody to curse them. Et c'est quelqu'un là. And that someone. Il avait aussi la parole. Headed to the word. Le prophète dit. The prophet says. Il était un fondamentaliste. He was a fundamentalist. Il connaissait la parole dans son cœur. He knew the word in his heart. Il pouvait te réciter les citations par tête. He could recite you the quotes by the head. Frère, regarde dans le septième seau, dans le troisième poule. Regarde, frère, regarde. Brother, look in the seventh seal, the third poule. Look, 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 look. Tout cela, c'est bien. All that is good. Mais Batonasu est au zélo. Hein? But Batonasu is standing right there. Ah, fais tout ce que tu veux. Do whatever you want. Lise ce qui est là. Lise qui est right il there. Il t'attend. She's waiting. Il est toujours paralytique. She's still a palsy. Est-ce que je dis vrai? Yes, you are. Fais tout ce que tu veux. Do whatever you want. Est-ce que c'est la bataille? Is it a battle? On nous a déjà aidé avec la cantique, les cantiques, non? They already helped us with the song. And why are we fighting for it? We're not fighting. Fais tout ce que tu veux. Say whatever you want. Ils avaient le même autel. They had the same altar. Le même Dieu. The same God. Mais l'un d'eux avait tort. But one of them was wrong. Et l'autre avait raison. And the other one was right. Hallelujah. Wonderful. Et maintenant. And now. Le seul moyen de déceler lesquels. The only way to make sure that. Fondamentalement. Fundamentally. Pour ce qui est de la parole. About the word. Ils avaient tous deux raison. Both of them, they were right. Oh my. Le septième saut, le septième saut. Seventh seal on the side, seventh seal on the side. Le troisième poule, le troisième poule. Third pool and third pool. La femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas prêcher. The woman cannot preach, the woman cannot preach. Elle ne peut pas porter les pantalons. She cannot put on pants. Elle ne peut pas porter les pantalons. She cannot put on pants. Tous les deux, ils avaient raison. Both of them were right. Mais vous voyez. But you look. L'un de ces motifs n'était pas bon. One of them, the motives were not good. Il cherchait à barrer la route à son frère. They sought to prevent the other one to go. Son frère qui cheminait vers la promesse que Dieu lui avait donnée. One that was going toward the promise that God gave him. Tous les deux croyants du message. Both of them believers in the message. De la même heure. The same hour. Mais l'un but one avait tort. Was wrong. Et l'autre avait the other raison. One was right. C'est Branham. That's Branham. Vous êtes avec moi? Are you? Yes. L'autre a cheminé vers la promesse que Dieu lui a donnée. The other one was going on the way. Dieu nous a donné la promesse du Saint-Esprit. God has given us the promise of the Holy Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Il nous donnera les dons. Il nous donnera la parole sans erreur. La bonne interprétation de la parole. Frère, brother, celui qui est dans les faussetés, il n'a pas le Saint-Esprit. Doesn't have the Holy Spirit. Yes, sir. Yes, that's right. Il a sa magie quelque part. Yes, the magic somewhere. Yes, sir. Celui qui prêche une doctrine contraire à ce que Branham a prêché. The one that preaches a doctrine contrary to the one that Branham preached. Il a sa magie au coin. Yes, the magic on the corner. Yes, sir. That's right. Je vous dis la vérité. Yes. Il peut vous expliquer comme il fait. He'll explain whatever he wants. Pendant autant de temps qu'il peut. As much time as Mais frère, il y a quelque chose de mauvais. Brothers, there's something wrong. Qui est caché quelque part. That is hidden somewhere. Est-ce que celui qui a touché à la cause. Touch it to the rock. Mais frère, 15 minutes et ça suffit. Brother, 15 minutes is enough. Pour que Dieu descende. For God to come down. That's right. That's right. Je vous dis la vérité. Telling the truth, yes. Tous les deux ils avaient le message. Both say the message. Tous les deux les prophètes. Both say the prophet. Tous les deux la parole. Both say the word. Fondamental. Fundamental. Nous disons amen à ça. We all say amen to that. Autre chose, celui-là. The other one. Le prophète Balaam. Prophet Balaam. Était un fondamentaliste. Was a fundamentalist.
Mais le prophète Moïse, but the prophet Moses, hallelujah, il était identifié, he was identified, par le caractéristique de Dieu, by God's characteristics. Il y avait la colonne de feu. There was the pillar of fire. Une lumière surnaturelle suspendue au-dessus d'eux. A supernatural hanging up on there. Et il y avait des grandes guérisons dans leur camp. And there were great healings in the camp. Un Dieu surnaturel. A supernatural camp. Qui montrait des signes surnaturels. That was showing supernatural signs. Le prophète a dit, ça c'est ce qui faisait la différence. The prophet said that what was making the difference. Praise the Lord. Amen. Amen. L'autre était un grand prophète fondamentaliste. The other one was a great prophet fundamentalist. Pendant que celui-ci, on the other side, il avait la colonne de feu, le parler en langue, le cri de joie, shout of joy, le guérison divine, the divine healings. Et c'était un Dieu qui s'identifiait par ses caractéristiques divines. Identified by his characteristics in front of them. La colonne de feu, the pillar of fire, une lumière surnaturelle, a supernatural light, suspendue au-dessus d'eux, hanging up on them, pour que tout le monde pouvait voir ça. Everybody could see that. C'est ça les caractéristiques de Dieu, frère. These are God's characteristics, brother. Là où il y a les guérisons divines, la parole qui est prêchée sans erreur, the word that is preached with no mistake, sans fausseté, with no mistakes, sans vous pointer vers l'homme, but pointing you to a man. C'est là où les caractéristiques de Dieu sont identifiées. That's where God's characteristics are identified. Je dis la vérité. You are. Frère Manon dit, brother one says, le seul moyen de pouvoir les identifier, the only way to identify them, ce n'était pas par leurs enseignements fondamentalistes, was not by their fundamentalist teachings, mais par la caractéristique de Dieu, but by God's characteristics. Veut dire le surnaturel. That means the supernatural. Yes. Quelqu'un qui peut prêcher. Somebody that could preach. Et dire au nom de Jésus. And say in the name of Jesus. Lève-toi. Stand up. Marche. Walk. Et la paralysie dit, hey. And the paralysis say, hey. C'est papa ici, moi je le crains. This sir, I fear him. La paralysie s'enfuit. The pulse leaves. Et lui, c'est qui se met debout. Lui, c'est qui stands up. Et il marche. And she walks. Les gens aiment que nous parlions seulement de ce que Dieu a fait à Branham. People like to for us pourtant, to speak on about Branham, with Branham. While God continues to do things until today. Jusqu'à aujourd'hui. Until today. Pourquoi limitons-nous dans ce qu'on n'a même pas vu? Why should we limit to what we didn't even see? Qui demande que croyez. That demands for you to believe. En qu'il y a d'autres que vous voyez. While other things that you see. Celui de Branham, ça demande la foi. For Branham, that demands faith. Qui était avec cette femme-là qui avait la tuberculose? Was with that Branham a prié, elle est devenue pianiste. Branham praised and she became nous a croyons seulement. We just believe. Parce que nous l'avons lu. Because we read. Mais lis ce qui on l'a vu. But we lis ce qui we saw it. Si vous êtes avec moi, dites amen, frère. You always will say amen, brother. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui. What is happening today? Voyons. We see. La sœur Nadine avait le sang qui coulait. Sister Nadine had blood that was dripping. Ici, dans cette église. Here in this church. Et notre pasteur a prié pour elle. Our pastor prayed for her. Et le sang s'est arrêté. And the blood stopped. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu. These are God's characteristics. Est-ce que vous dites amen à ça? He said amen. La sœur Nelly qui avait la main qui faisait mal. He said Nelly, that was the hand that was hurting. Et le pasteur a prié ici. He prayed here. Et Dieu l'a guéri. And God healed est-ce her. Est-ce que je dis la vérité? I said the truth. Mais ça, ce sont les caractéristiques de Dieu. These are God's characteristics. Yes, sir. C'est la chose qui fait la différence. That's the thing that makes the difference. Ils peuvent naître dans une même famille. They can be born in the same family. Chez une même maman. With the same mother. Chez un même père. The same father. Mais l'onction. But the anointing. Fait la différence. Makes the difference. L'onction. The anointing. Élève l'homme. Raises the man. Il est placé là à côté de Dieu. Puts him behind God. Quand il prononce la parole. When he says the word. Dieu dit amen. God says amen. Quand il parle seulement. When he just speaks. La pluie s'arrête. The rain stops. Quand il parle seulement, when he just speaks, les murs sortent du ventre de quelqu'un.
C'est ce qui fait la différence. That's what makes the difference. Les explications, c'est bien. The explanation is good. Tout ce que vous voulez, c'est bien. Anything you want is Mais good. Parler avec la pluie. But speak with ça, ça demande de la chose. That demands something. Yes, sir. Si je dis vrai, dites amen. If I said that you say amen. Je prêche un évangile qui est vivant. I preach a living. Je prêche des choses qui sont vivantes. I don't think that to preach that things that are alive. Des choses réelles. Real things. On prie à distance. Pray at distance. Quelqu'un, le ventre commence à faire quack, quack. Somebody, the womb says, ça commence à se couper là-bas à l'intérieur. Elle part aux toilettes, le ventre, les histoires sont sorties, les miens sont sortis. C'est ce qui fait la différence. That's what makes the difference. C'est ce qui fait la différence. That's what makes the difference. C'est ce qui fait la différence. That's what makes the difference. Et on n'a pas de choix. We don't have any choice. Frère, on m'a dit dans leur corps. Il y avait des guérisons divines. There were divine healings. Pas une guérison. Not one, one mais healing. Des guérisons. But healings. Ça, c'est la chose qui fait la différence. That's the thing that makes the difference. La colonne de feu. The pillar of fire. La nuée de gloire. The cloud of glory. Qui vous parle de bouche à l'oreille. Talking to you from mouth to ear. Vous expliquant ce qu'il avait dit au travers de son serviteur Branham. Explaining what he said through his servant Branham. Ça ne peut être que Dieu. That can be only God. Yes. Mes frères. My brothers. Même ceux qui vont m'écouter. Even those who are going to listen. Pour que quelqu'un prêche bien ce message. For somebody to preach this message. Il doit recevoir l'esprit qui était en Branham. He had to receive the spirit that was in Branham. L'esprit qui accompagnait Branham quand il faisait la prédication. When he was preaching. Quand cet esprit habite dans toi. When the spirit dwells in you. Tu entres dans la Branham, you'll get in the summer of Branham. Tu feras sortir l'essentiel. You will bring out the essential. Est-ce que j'ai dit la vérité? Am I saying that you are? Yes, sir. Quand cet esprit n'est pas en vous, when the spirit is not in you, vous allez dire que Branham est Dieu. You're going to say Branham is God. Pendant que Branham lui-même dit, when Branham himself says, hey, dis pas moi. Not me. Je ne suis pas. I am not. Je suis votre frère. I'm your brother. Sauvé par la grâce. Saved by grace. Quand vous dites que je suis Christ, when you say, vous faites de moi un antichrist. I am Christ, you make of me an antichrist. Ça c'est Branham qui l'a dit. That's Branham saying it, yes. Non, mais quand tu tournais les dos, when you were turning, c'est tout Dieu qui était en toi. All God il a dit non, c'était tellement les dons. He said no, it was just a gift. Il venait, il oignait mon don. Anointing my gift. Et il utilisait ses dons pour guérir. He was using my gift to heal. Pour discerner. To discern. C'était juste un don. That was just a Branham gift. Branham ne peut pas être Dieu. Branham cannot be God, brother. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, when you're not the Holy Spirit, vous direz que Jésus est venu. You said that Jesus has come. Les morts à Christ sont. The dead in Christ are. Mais c'était où est mon père? The reason. Where is my father? Dans, il n'est pas mort en Christ. He wasn't died in Christ. Il est mort en route. He died on the way. Il est mort en Christ. He died il doit ressusciter. He ought to rise. Je dois le voir. I gotta see him. Mais où est le pasteur Mbombo? Where is Pastor Mbombo? Nous ne voyons pas, nous croirons vraiment que les morts en Christ sont ressuscités. And we're going to believe that the dead in Christ are risen. Ça veut beaucoup lire, ça amène la folie. You know, to read a lot brings madness. Vous commencez à voir, non, ça, ça voulait vraiment. Saying, no, this, ça ne veut pas dire ça. Quand ils sont ressuscités, when they are risen, ça veut dire que nous les verrons. That means we're going to see them. C'est simple. That's easy. Yes, it is. Dit que Jésus est venu. When they say Jesus come. Ça veut dire que Sukinangawa, ça doit pousser. That means my hair here, they need to grow. Je vous dis vrai, non? Telling you the truth. Parce que quand il viendra, nous serons changés en éclair d'œil. When he's going to come, we're going to be changed in a twinkle of an eye. Nous ne serons plus comme ça. We won't be the way we are. Parce que je dis la vérité. I believe I'm saying the truth. You are. Quand il va venir. When he's going to come. La Sainte Judith va encore pleurer dans la prière. Sister Judith is going to cry in the prayer again. Mais c'est fini. That's it. Quand Jésus when Jesus comes. Mais ça finit le problème. The problem is over. C'est ce que nous attendons. That's what we're waiting c'est for. Pourquoi nous l'appelons qu'il vienne. That's why we call him. Il n'y aura plus de guerre. There won't be any more. Il n'y aura plus de problèmes. There won't be any problems. Il n'y aura plus de maladies. There won't be any sickness. Il n'y aura plus de there won't be any concerns. Il n'y aura plus de cheveux blancs. There won't be gray hair. Il n'y aura plus de lunettes. There won't be glasses. Est-ce que je dis vrai? I say the truth. Quand Jésus va venir. When Jesus will come. Tu ne vas plus pleurer. You won't cry. Tu seras dans la joie éternelle. You'll be in the eternal joy. La Bible nous dit, l'essuie est tes larmes. Il dira, c'est fini. Entrez dans la joie éternelle. In the eternal joy. Il n'y aura plus de soucis. There won't be any il n'y aura plus d'inquiétudes. There won't be any oh, ma fille, mon fils est malade. My son, oh, ma fille est comme ça. Ça n'y aura plus. There won't be that anymore.
On n'aura plus ça. There won't be that anymore. Et puis ce Jésus-là va venir nous souffrir encore. Jesus will come, we'll still suffer. Moi, je ne crois pas ça. I don't believe in that. Je crois que nous l'attendons. I believe that we're waiting for him. Oh, ma femme est enceinte. Moi, ma femme est enceinte. We, my wife is pregnant. On attend Jésus. We wait for Jesus. Vous croyez à ça? Do you believe? Nous attendons Jésus. We're waiting for Jesus. Nous attendons encore. We're still waiting for Et him. Pendant ce temps-là, during this time, nous sommes encore dans les conflits. We're still in the conflict. On n'a pas de choix. We don't have any choice. Papa m'a prêché la prédication, les conflits entre Dieu et Satan. The conflict dit que ça ne finira pas. That means it won't end. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Until Jesus will come. Il n'a jamais prêché. He never preached. La paix entre Dieu et Satan. The peace between Il a prêché des conflits between God and Satan. Le conflit entre Dieu et Satan. Il a dit Dieu a choisi le cœur. So God has chosen the heart. Et Satan a choisi la tête. And Satan has chosen the head. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin. It will be like that to the end. S'il n'y a plus de conflit, veut dire que nous sommes dans le millénium. That means we are in the millennium. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous serons dans les conflits, frères. We shall be in the conflict, brother. Jusqu'à ce que Satan sera brûlé. Until Satan is going to be burnt. Yes, sir. Ah, là, je pense que j'ai dit la vérité. So I believe I said, yes, you have. Je pense que j'ai dit la vérité. I believe I said the truth. Amen. Yes, praise the Lord. Hallelujah. La chose qui fait la différence. The thing that makes the difference. C'est l'onction. Is the anointing. Yes, it is. La chose qui va t'aider. The thing that is going to help. Pour vivre la parole de Dieu. To live the word of God. C'est l'onction. Is the anointing. La chose qui va t'aider the thing that is gonna pour être enlevé, to be raptured, c'est l'onction. It's the anointing. C'est pourquoi chaque jour, mes frères, that's why every day, my brother, chercher à être dans la présence de Dieu. We need to seek in, be in the God's chercher presence. À être sous la rosée. Seek be, to be under chercher the à être là où Dieu répand ses bénédictions. Where God has spread his blessing. Quand tu te réveilles le matin, when you wake up in the morning, tu dois checker d'abord est-ce que la chose est là. You need to check. Do est-ce have que j'ai encore cette chose? Do I still have that thing? C'est cette chose qui guérit les malades. That's the thing that heals the sick. C'est cette chose qui donne la solution. That's the thing that gives the solution. C'est cette chose qui élève. That's the thing that raises. Au-dessus de tous. Above everybody. C'est l'onction. That's the anointing. Ça va t'élever. It's gonna lift you up. Jusqu'à un certain niveau. Some level. Tu n'as plus peur. You're not scared anymore. Même quand c'est dans les stades. When you're into the sea. Tu es au-dessus de la mêlée. You are above everybody. Même quand tu es sur le Mont Carmel. When you're on the Mont Carmel. Tu es au-dessus de la mêlée. You're above everybody. Parce que tu reconnais que l'onction que tu as, the anointing c'est le Dieu du ciel. It's God of heaven. Qui est sur toi. That is upon you. Amen. Amen. Praise the Lord. Faut chercher la chose. You need to sing that thing. Yes, sir. Chercher la chose qui fait la différence. Sing the thing that makes the difference. C'est les caractéristiques de Dieu. That God's characteristics. Les surnaturels. The supernatural. Et ça t'accompagne. Let it go with you. Quand nous prêchons tous les jours. When we preach every day. C'est pour que cette surnaturel soit avec toi. It's for that supernatural to be in you. Quand on cogne le péché. When we hit up on the sin. Pour que tu marches avec lui. It's so you can walk with them. Vous êtes avec moi. Are you with me? Nous devons laisser le péché. We need to leave the sins alone. Jésus revient bientôt. Jesus is coming back soon. Laissez le pantalon des femmes. Leave the pants of the women. Laissez le mensonge. Leave the lie alone. Laissez la haine. Leave the hatred alone. Jésus revient bientôt. Jesus is coming back soon. Il est plus tard que nous le pensons. This is later than we think. L'enlèvement est à la porte. The rapture is at the door. Beaucoup vont être surpris. Many people are going to be surprised. Et Frère Bonhomme dit, Brother Bonhomme la say, surprise ce n'est pas pour ceux qui vont à leur bar. The surprise is not for those who go to the bar. La surprise c'est pour ceux qui viennent à l'église. The surprise is for those who go to church. Ils sont en train de mourir. They're dying every day. Sur les bancs de l'église. Up on the pews of the church. Avec le péché confessé. With the unconfessed sin. Il va se dire que moi j'attends l'enlèvement. He's going to say I'm waiting for the rapture. Tu n'iras nulle part. You will not go anywhere. Je pense que j'ai dit la vérité. I believe I said the truth. You are. Frères, nous devons vivre comme des chrétiens. Brothers, we ought to live like Christians. Pour garder la présence de Dieu dans nos vies. To keep God's presence in our lives. Dans nos foyers. In our families. Dans nos maisons. In our houses. Dans nos affaires. In our business. Dans nos études. In our schools. La présence de Dieu doit être là. God's presence ought to be there. Il est plus tard que nous le passons. This
is later than we think. Ce n'est plus le temps de discuter. No more time to fast. Ce n'est plus le temps d'être pris dans les distractions. No more time to be taken into distractions. C'est le temps d'être sûr. This is time to be sure. Que tu as touché à la corde. That you have held the vibration. And you feel the vibrations. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Je vous ai dit que c'est élevé dans cette église. I've told you to revive of this church. C'est pas venu pour faire de nous grands. Didn't come to make of us great. C'est venu pour aider quelqu'un. It came to help somebody. Pour avancer. To advance. Vers la perfection. Toward the perfection. L'élevé n'est pas venu. The revival did not come. Pour nous laisser être considérés comme étant au-dessus des autres. So we can be considered being before, above the non, other. Mes frères. No, sir. C'est simplement la grâce de Dieu. It is just God's grace. Pour t'aider à laisser tout ce que je ne peux pas. To help you to live alone all I cannot. Parce que moi je ne peux pas vivre avec elle. You know, moi, je I cannot faire ça avec. I cannot do this. Non, Dieu est venu pour enlever ces jeunes God pas. God has come to remove those I cannot. Il est venu pour que tes je ne peux pas deviennent je peux. He came so your I cannot become I can. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Oh, parce que moi je ne peux pas parler avec cette sœur là. Pastor, I cannot speak to that sister. Tu n'es pas encore arrivé. You are not there yet. Parce que moi je ne peux pas aller chez tel frère. Pastor, I cannot go tu n'es pas encore arrivé. You haven't got there. C'est réveil. This revival est venu pour te faire quitter là où tu es. Has come to make you live where you are. T'amener chez ton frère que tu n'arrivais pas. Take your brother that you couldn't. Serre-lui la main. And shake hands with him. Et dis-lui que je t'aime, mon frère. And tell him I love you, my brother. C'est ça le but du réveil. That's the purpose of the revival. Ce n'est pas pour nous donner l'orgueil. It's not to give us the pride. Nous. You know, Probablement dit, véritable ennemi, c'est toi-même. Brother, say, your enemy is yourself. Ce réveil, c'est pour nous amener à l'humilité. This revival is to bring us to the humbleness. Pour avoir pitié des autres. To pity the other ones. De prier que Dieu leur montre aussi la lumière. To pray so God can show them the light. Yes, sir. Est-ce que vous croyez ce que j'ai dit? Do you believe in what I'm saying? C'est pour nous aider, mon frère. To help us, brother. Pour atteindre un niveau. To get to some level. C'est pourquoi ne laissez pas que ça passe à côté de vous. That's why don't let it go by you. Que ça entre. Let it go inside. Pas dans la chair. Not in the flesh. Pas dans l'esprit. Not in the spirit. Mais dans ton âme. But in your soul. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes, we are. Que tu ne dises pas amen pour ta sœur. Don't you say amen for your sister. Que tu ne dises pas amen pour ton frère. Don't say amen for your brother. Mais pour toi-même. But for yourself. Que tu reviennes à Dieu. Come back to God. Que tu laisses le péché. Leave the sin. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Vous savez, il y a d'autres péchés. You know other sins. Dans la vie des gens. In people's lives. Qui n'ont pas. Ils ne se sont pas repentis pour ça. They did not repent for it. Vous savez c'est quoi? You know what it is? C'est que beaucoup étaient dans les églises là où on priait Père, Fils et Saint-Esprit. Many people were in churches where they were praying our Father, Son and Holy Spirit. Ils n'ont pas demandé pardon à Dieu pour they ça. They didn't ask forgiveness to God for that. Pourtant l'adoration c'est au nom de Jésus-Christ. While the worship is in the name of Jesus Christ. Vous comprenez? Do you understand? Yes, sir. Demander aussi pardon à Dieu. You need to ask forgiveness to God too. Revenir à lui dans une bonne adoration. Come back to him with a good worship. Le reconnaître comme votre Dieu. Recognize him being Marie God. Pas Dieu. Mary is not God. Il n'est pas non plus notre intermédiaire. She's not our intermediate. Il est une sœur. She's a sister. Qui aussi était partie dans la chambre haute. That went in the upper room as well. Pour recevoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. To receive the Holy Ghost to go to heaven. Yes, sir. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Yes. Dieu est identifié. God is identified. Par ses caractéristiques. By his characteristics. Le caractéristique de Dieu. God's characteristics. C'est le surnaturel, mes frères. It's the supernatural, my brothers. C'est le surnaturel. That's the super. Là où se trouve Dieu. Is that where God is? Le surnaturel doit suivre. The supernatural ought to follow.
C'est pourquoi quand Gédéon était devant l'ange de l'Éternel. That's why when Gideon was in front of the angel. Quand il a dit vaillant héros. Where is a man of valor? L'Éternel est avec toi. The Lord is with you. Va avec la force que tu as. Go with the strength that you have. Il a dit l'Éternel est avec moi. He said the Lord. Mais si l'Éternel est avec moi. The Lord is with me. Mais où sont les miracles? Where are the miracles? Parce que là où se trouve l'Éternel. That's where the Lord is. Les miracles doivent être là. The miracles must be there. Le surnaturel doit suivre. The supernatural must follow. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, yes, oui. Là où se trouve l'Éternel, ça doit avoir une attraction. That ought to have an attraction. Ça doit attirer les gens. That ought to attract. Ah, un aveugle à vie. Oh, ah, un boité à marcher. Lame is what? C'est ça le surnaturel. That is the supernatural. Le caractéristique de Dieu. God's characteristics. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, yes, oui. Et le prophète dit, prophet says, avant que vous ne croyiez dans ce message, before you believe in this message, vous devez voir les caractéristiques de Dieu. You have to see God's characteristics. C'est ce que Branham a dit quelque part ici. That's what Branham said somewhere here. Avant que vous puissiez croire à la parole de cet âge, before you believe in the word of this age, il doit s'identifier par sa caractéristique. You have to identify himself by his characteristics. Tu as lu la brochure, tu penses que c'est toi-même qui es venu? You read the brochure, you think you came yourself? Non, quelque chose a fait clair. No, something is the clear. Cette quelque chose-là, c'est le surnaturel. That thing is the supernatural. Parce que le message, c'est le surnaturel. The message is the supernatural. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes. Ce n'est pas la pensée d'un homme. It is not a man's thought. Ce message, this message, c'est Dieu. Is God. C'est la pensée de Dieu. Is God's thought. C'est ce que Dieu a pensé pour toi. What God has thought of you. Et Dieu a parlé. God has spoken. Par la bouche du prophète Branham. Et nous disons amen à cela. We say amen to that. Parce que c'est ce message qui nous amènera au ciel. This message that is going to take us to heaven. Devant les dieux qu'on n'a jamais vus. On ira par ce message. We shall go through this message. Sans ce message, il n'y a pas de salut. There is no salvation. Ce message, this message, c'est ça l'arche de Noé pour nous. That the ark of Noah for us. Pour être épargné de la destruction de ce monde. To be spared from the destruction of this world. Il faut entrer dans ce message. You need to get into this message. Sans ce message. Without this message. Tu es perdu. You are lost. That's right. Je crois que je dis la vérité. I believe I'm saying the truth. You sans are ce message. Without this message. C'est rien. It's nothing. C'est pourquoi ce message. That's why this message. Nous devons manger cela. We ought to eat it. Manger cela. We ought to eat it. Et devenir un avec le message. Become one with the message. Et avec la parole. One with the word. Pour que nous pouvons faire des déclarations comme Paul a fait. We can make declaration like Paul did. Ce n'est pas moi qui vis. It's not me living. Et c'est Christ qui vit en moi. But it is Christ living in me. À ce moment-là, in that time, tu deviens l'instrument de Dieu. You become God's instrument. Pour manifester la gloire de Dieu. To manifest God's glory. Amen. Amen. Frère Madame dit. Brother Branham says, ça ne peut pas être plus clair que ça. That cannot be clearer than this. Ses caractéristiques s'identifient. His characteristic identifies. Et se font connaître. And they make themselves known. Les traits qui les caractérisent. The traits that characterizes him. Ça, on ne peut pas changer ça. We cannot change them. Maintenant, on a lu dans la Bible. Now we read in the Bible. Dans Hébreux chapitre 1er. In Hebrews chapter 1. Dans les temps passés, in sundry times, notre Dieu parlait par des prophètes. Our God was speaking through prophets. Quand les gens voulaient aller rencontrer Dieu, when people wanted to go meet with God, ils allaient voir les prophètes. They were going to see the prophet. Quand ils disaient que nous voulons aller consulter Dieu, we want to consult God, ils allaient voir les prophètes. They were going to the prophet. Et Dieu parlait par les prophètes. And God was speaking through the prophets. Mais le prophète dit, but the prophet said, il est arrivé un temps came a time où Dieu lui-même s'est décidé, God himself decided, de venir sur la terre. Come on the earth. Par son fils Jésus-Christ. His son, Jesus Christ. Il a parlé. And he spoke. Il s'est fait chair. Made himself flesh. Il a marché parmi son walked peuple. Upon his people. La plénitude de la divinité. Fullness of the deity. Il marchait sur la terre. Walking on the earth. Là-bas au ciel, il n'y avait plus de Dieu. In heaven, there was no God. C'était lui, le Dieu qui marchait. He was the God walking. Dieu dans la chair. God humain. In the human flesh. Amen. Amen. Les autres l'ont appelé prophète. People called him prophet. Branham a dit, il était plus qu'un prophète. Branham said he was more than a prophet. Les autres l'ont appelé sage. Everyone called him wise. Branham a dit, il était plus que la sagesse. Branham said he was more than the wisdom. Il était Dieu lui-même. He was God himself. Qui marchait sur la terre. Walking on the earth. La divinité tout entière. The entire deity. Qui marchait sur la terre. Walking on the earth. Et Dieu a parlé par lui. And God spoke through him. Lui-même il a dit. Himself said. Si je ne fais pas les œuvres de mon père, if I don't do the works of my father, alors ne me croyez pas. Then do not believe in me. Il faisait seulement ce que Dieu lui disait he was de doing faire. Only what God was telling him to do.
Amen. Amen. Vous comprenez au moins ce que j'ai dit? You understand what I'm saying? Yes, sir. Il était plus qu'un homme. He was more than a man. Même s'il était un homme. Even though he was a man. Il faisait seulement. He was doing only. Ce que son père lui disait. What his father was telling him to do. Excusez-moi. Et avant de partir. And before he left. Le prophète dit. The prophet says. Il a dit dans Jean 14 et 12. He said in John 14, 12. Que les œuvres que moi j'ai faites. The works I do. Vous aussi. You as well. Vous les ferez. You will do them. Veut dire. Meaning. Que vous devez être identifié. You have to be identified. Par les caractéristiques de Dieu. By God's characteristics. Veut dire que le surnaturel doit vous suivre. That means the supernatural ought to follow you. Vous êtes avec moi. Are you with me? Yes, sir. Je ne parle pas aux chaises quand même. I'm not talking to the chairs anyway. Je parle aux enfants de Dieu. I'm talking to the children of God. C'est vous qui devez manifester Dieu maintenant. You the one who ought to manifest God now. Ce n'est pas donné seulement au pasteur. It's not given only to the pastor. Le pasteur il a sa part. The pastor has his share. Mais chacun de nous a sa part. Each one of us has his share. Sa vie doit manifester Dieu. His life ought to manifest God. Est-ce que vous dites amen à ça? You say amen to that. Bonhomme dit que les Africains quitteront l'Afrique. Bonhomme said the Africans will leave Africa. Et ils viendront ici en Amérique. They come here in America. Pour évangéliser. To evangelize. Est-ce que vous dites amen à ça? You say amen. Mais dit que vous aussi vous devez évangéliser. That means you too, you gotta evangelize. Votre vie doit prêcher l'Évangile. Your life ought to preach. Tu amènes les âmes à Christ. You ought to bring the soul. Là où vous êtes au travail. Is that where you at work? À l'école. At school. À la maison. In the, au quartier. In the neighborhood. À le bus. In the bus. Ta vie doit enseigner les autres. Your life ought to teach the other ones. Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? La vie doit être accompagnée du surnaturel pour manifester la différence. To manifest the difference. Parce que c'est la Bible qui le dit. The Bible says. Les œuvres que Jésus a fait. The work that Jesus has done. Toi aussi tu dois les faire. Yes, well, you ought to do them. Tu dois manifester Dieu. You ought to manifest God. Tu dois être identifié par les caractéristiques. You ought to be identified by the characteristics. Mais pour que cela arrive, that happen, mangeons la parole. Let us eat the word. Mangeons la parole. Let us eat the word. Restons dans la lumière de la parole. Let us stay in the light. Prions tous les jours. Pray every day. Parce que vous êtes avec moi. Are you with me? Restons longtemps dans la prière. Let us stay long time in the prayer. C'est ce qui va changer quelqu'un. That's what will change somebody. Pour manifester les caractéristiques manifest de Dieu. The characteristics of God. Parce que ça doit se faire en toi. It ought to happen in you. Le prophète dit tu es l'instrument de Dieu. Say you're the instrument Dieu of God. Doit t'utiliser. God, you're mais avant you're d'arriver à cela, tu dois that, passer par la sanctification, justification, baptême du Saint-Esprit. Baptism of the Holy que Spirit. Ton homme soit vacciné. Que tu deviennes comme Christ. So can become like Christ. Et si les caractéristiques de Dieu se manifestera dans ta vie. We get manifest in your life. Est-ce que vous m'avez compris? Yes, did you understand? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. My God. Levez-vous, s'il vous plaît. Stand up, please. Nous avons appris aujourd'hui. We've heard today. Que nous sommes des dieux. That we are gods. Nous sommes des fils de Dieu. We are sons of God. Nous devons manifester les caractéristiques de Dieu. We ought to manifest God's characteristics. Dieu, God, n'est pas un critiqueur. He's not a criticizer. Dieu ne maudit pas les gens. God doesn't curse people. Dieu ne ment pas. God does not lie. Jésus était rempli d'amour. Jesus was full of love. Il a aimé même les gens qui étaient rejetés. He loved even people who were rejected. On devait lapider. They were to be stoned. Est-ce que tu es comme Jésus? Are you like Jesus? La puissance de Dieu, the power of God, doit être en vous. Ought to be in you.
Dieu doit marcher avec toi. God ought to walk with you. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Do you feel God's presence? Yes. Vous devez savoir. You ought to know. Et aujourd'hui, that today, Dieu marche avec certaines personnes. God walks with some people. Vous devez savoir. You need to know. Aujourd'hui, today, Dieu demeure le même. God is still the same. Il te donnera le désir de ton cœur. He'll give you your heart's desire. Plus que tout, more than anything, demande que Dieu marche avec vous. Ask for God to walk with you. Qu'il neige, qu'il vente. May it snow, may it wind. Dans votre vie, in your life, demeurez chrétien. Stay a Christian. Continuez à manifester les attributs de Dieu. Continue to manifest God's attributes. C'est comme ça qu'on peut voir un chrétien. That's how we can see a Christian. Dans sa vie, manifester Dieu même dans des problèmes, dans des difficultés. In his life, he manifests God even in problems, in difficulties. Dans la prière. In the prayer. Je demanderai à chacun. I'm going to ask to each one. Priez pour que Dieu. Pray so God. Puisse entrer dans votre vie. Can get in your life. Puisse marcher avec vous. Can walk with you. Puisse vous parler. Can speak to you. Puisse sentir sa présence. So you can feel his presence. Dans votre vie de chaque jour. In your everyday life. Que vous puissiez sentir. So you can feel yourself. Le changement. The change. Que vous avez changé. That you have changed. Que vous n'êtes plus le même. You are no more what you used to be. Dieu vous a changé. God has changed you. Parce que vous marchez comme un fils, fille de Dieu. Because you walk as a son or daughter of God. Voulez-vous prier? Pray then. Vous pouvez lui dire quelque chose. Tell him something. Je sais qu'il vous a parlé. I know he has spoken to you. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Nous croyons. We believe. Que nous sommes tes enfants. That we are your children. Nous avons écouté, Seigneur. We've heard, Lord. Que nous devons marcher avec toi. That if we ought to walk with you. Pardonne nos péchés, Seigneur. Forgive our sins, Lord. Marche avec chacun de nous. Walk with each one of us. Nous t'aimons plus que toute chose, Seigneur. We love you more than anything else, Lord. Nous te voulons. We want you. Dans notre cœur. In our hearts. Dans notre vie. In our life. Plus que toute chose. More than anything else. Et nous voulons que tu te manifestes. And we want you to get manifest. Dans nos vies de chaque jour. In our everyday life. Là où nous vivons, dans nos foyers. There where we live in our households. Avec nos enfants. With our children. Là où nous travaillons. There where we work. Avec tous ces peuples. All these people. Que nous pouvons rencontrer là-bas. So we can meet there. À l'école où nous étudions, Seigneur. In school we go, Lord. Avec tous les enfants, les jeunes gens que nous voyons là-bas. All the children, the young men that we see there. Seigneur, Lord, fais la différence. Make the difference. Que nous soyons différents. So we can be different. Que nous soyons différents. So we can be different. Toi, notre force. You are strength. C'est toi, notre créateur.
You are our creator. Walk with us. Correct us. Montre-nous le chemin à suivre. Show us the way to follow. Manifeste-toi dans nos vies. Manifest yourself in our lives. Que nous puissions connaître ta volonté. May we know your will. Pour chacune de nos vies. For each one of our lives. Merci. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Nous avons choisi Jésus. We have chosen Jesus. Nous avons choisi Jésus. We have chosen Jesus. Qu'il soit notre sauveur. So he can be our savior. Descends, Seigneur. Come down, Lord. Manifeste-toi. Manifest yourself. Change-nous. Change us, Lord. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, Seigneur. Our first enemy is ourselves, Lord. Que nous puissions mourir en nous-mêmes. Let us die in ourselves. Que tu prennes la place. May you come find some place. Nous te donnons nos cœurs. We give you our hearts. Nos esprits. Our spirits. Et notre corps. And our body. Utilise-nous, Seigneur. Utilize us, Lord. Que le monde puisse voir. May the world see. La lumière. Your light. Et qu'il puisse venir à toi. And may they come to you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Que chacun prie le Seigneur. May each one pray the Lord. En fonction de tout ce qu'il a reçu aujourd'hui. According to what he heard today. Notre Dieu répond à la prière. Our God answers to the prayer. À la croix.
Levez-vous, s'il vous plaît. Stand up, please. Si vous avez un problème, un besoin, levez simplement votre main. If you have a problem, a need, just raise your hand. Dieu notre Père. God our Heavenly Father. Nous croyons que we believe tu aimes tes enfants qui sont ici. You love your children that are here. Tu vois les mains qui sont levées. You see the hands that are raised. Ils ont un besoin. They have a need. Tu as dit ici, vous le Père de ce monde. If you fathers in this world, vous êtes des méchants. You are wicked. Vous donnez de bonnes choses à vos enfants. You give good things to your children. Nous croyons que toi, tu es un Dieu, un Père bon. We believe that you are a good father. Accorde à chacun de bonnes choses. Grant to each one good things, Lord. Nous entrons, nous savons. We go back, we know. Que tu vas nous donner le désir qui se trouve dans notre cœur. You will give us the desire in our hearts. Et nous te disons merci. And we tell you thank you. Nous savons que nous l'avons reçu. We know that we have received it. Merci Jésus. Thank you Jesus. Bénis chacun de nous. Bless each one of us. Rentre avec chacun de nous Seigneur. Go back with each one of us Lord. Que nous puissions vivre en paix avec toi. May we live in peace with you. Que nous puissions avoir la paix. May we have the peace. Avec la parole de Dieu. With the word of God. Et avec chacun de nous. And with each one of us. Et avec nos voisins. And with our neighbors. Accorde-nous cela. Grant it to us, Lord. Que notre vie change depuis aujourd'hui. May our life change from today on. Jusqu'au ciel. Until heaven. Nous nous remettons à tes mains. Put it on your hands. Seigneur, descends. Lord, come down. Et réponds à chacun de nous. Answer to each one of us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Vous croyez que Dieu a répondu à votre prière? See that God has answered your prayers. Okay. Moi aussi, je le crois. Me too, I believe. Vous savez, ça fait mal quand vous regardez, vous ne voyez pas avec un œil. Hurting when you look and you don't see with one eye. Je lisais avec un seul œil. Was reading with just one eye. Ça me faisait très mal. That was hurting me. Mais vous avez un père qui vous aime. But you have a father that loves you. Maintenant, il m'a guéri. Je dis merci Seigneur. He's healed me. I said thank you, Lord. Praise the Lord. Beaucoup ont été guéris aussi. Many people were healed here. Yes. Ceux qui ont une fois été guéris dans leur vie par notre Dieu, levez la main. Those who have been healed by our God once. Oh, raise your tous. Hand. All of us. Je suis l'Éternel qui te guérit. I am the Lord that heals you. Moi une fois j'étais très malade, j'étais mort. Once I was very sick, I was dead. Et le Seigneur m'a ressuscité. And the Lord rose me back. J'ai vu l'autre côté. I've seen the other side. Ils sont très bien, ils sont très bien. They are very well, very well. Ne regrettez pas d'aller au ciel. Do not be sorry to go to heaven. Vous serez heureux au ciel. You will be happy in heaven. J'ai causé avec eux. I've spoken with them. Non, n'oubliez pas ça. Really, do not vous miss it. Vous avez un Dieu qui a promis des très très bonnes choses. You have God that has promised very great things. C'est, je dirais, 10,000 fois plus qu'ici. I would say it's 10,000 times more than what you have here. Yeah. Et j'ai vu ça. And I've seen it. I was there. Mes propres frères et sœurs m'ont dit, tu dois rentrer. My own brothers and sisters told me you need to go back. Oh, Pastor Maruti, tu dois rentrer. Ton travail n'est pas terminé. Your job is not done. Et je suis rentré. And I came back. Il est revenu. He came back. Je suis là. I'm here. Et je remercie Dieu. And I thank God. En 76, maintenant c'est combien d'années? 76, now it's 30. Hein? 37 ans après, c'est comme si c'était hier. It's like it was yesterday. Et je ne peux pas rater le ciel. And I cannot miss heaven. Non, ne manquez pas le ciel. Don't you miss heaven. Si vous manquez le ciel, vous manquez tout. Would you miss heaven, you miss everything. Oui. Je crois que nous avons terminé. I believe that we're done. Vous avez passé les paniers? Yeah, have you? Okay. Basket circulating, yes. Yeah. Prenez Jésus et mettez Jésus à la première place. Take Jesus and put him at the first place. C'est fini. Ça, c'est mon secret. That's my secret.
Alors là, vous posez la question, est-ce que si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il ferait? You can ask the question, if it was Jesus, what would he do? Et Jésus vous conduira à faire exactement. Jesus will lead you to do exactly. Ce qu'il ferait s'il était sur la terre. What he would have done if he wasn't on the earth. Et vous n'aurez pas d'occasion de pécher. You won't have an opportunity to sin. Amen. Amen. Je crois qu'on a terminé. I believe that we done. Levez-vous, saluez la personne qui est à côté de vous.